Bien. Vous m'entendez? OK. La salle commence à être bien remplie. On va démarrer sans tarder, donc installez-vous. Il y a toujours un petit risque à préparer un café et à l'offrir avant le début d'une conférence, mais en même temps, c'est tellement sympa. Et jusqu'à 400 personnes sont prévues pour cette conférence d'ouverture, donc ça fait du monde à faire rentrer et accueillir en même temps. Bien. Bonjour. Bonjour et bienvenue à ces 11e rencontres nationales énergie et territoires ruraux vers des territoires à énergie positive. Je m'appelle Yannick Régnier, je suis responsable de projet au CLER, réseau pour la transition énergétique, et animateur du réseau territoires à énergie positive. Et c'est avec un peu d'émotion que j'anime cette table ronde, puisque les deux titres que je vous ai donnés, Claire et Tepos, c'est la dernière fois que je les utilise, dans la mesure où je travaille désormais, depuis quelques semaines maintenant, dans une association et dans un territoire qui s'appelle Biovallée, dans la Drôme, après 14 ans de loyaux et j'espère bons services au profit du CLER et des territoires à énergie positive. Merci. Je vais donc animer les deux conférences plénières de cet après-midi et de vendredi matin. Pour commencer, je voudrais remercier, je ne serai pas le seul à le faire, je pense, mais l'équipe du Parc des Grands Causes qui a œuvré jusqu'à maintenant à ce que tout se passe bien, et je pense que ça va durer les 3 jours qui viennent. Alexandre, Corentin, Clément et Nicolas en particulier. Et d'ores et déjà, cet événement bat un record, celui de la fréquentation, puisque 600 personnes sont inscrites sur la durée de l'événement, 400 pour cette conférence plénière d'ouverture, c'est du jamais vu jusqu'à maintenant pour les rencontres TEPOS. Merci aussi à mes collègues du CLER présentes en particulier en régie, hein, Charlotte et Lucille, qui vont nous aider à organiser techniquement cette conférence. Et j'en profite pour saluer les adhérents du CLER, notamment, qui sont présents nombreux dans la salle. Présents nombreux parce que les rencontres des territoires à énergie positive ne sont pas un événement isolé dans l'année, mais un événement qui est un temps fort du réseau national des territoires à énergie positive que le CLER anime pendant toute l'année. En ouverture de ces rencontres, les représentants du parc des Grands Causses, de la ville de Millau et du CLER vont avoir l'opportunité de dire quelques mots d'accueil et de remercier tous les partenaires de l'événement, et ils sont nombreux. Et Séverine Peyretout du parc des Grands Causses présentera dans les grandes lignes le programme de l'événement, en plus de la politique du territoire. Je vais donc conclure rapidement cette introduction avec 2 points techniques. Le premier, c'est la contribution du public, vous,
à cet après-midi et à ces échanges et à ces débats avec une opportunité numérique de contribuer avec, alors on ne l'a pas tout de suite, mais avec un mot-clé pour les utilisateurs de Twitter que vous pouvez être, qui est TEPOS2021, et un numéro de téléphone auquel vous pouvez envoyer des SMS avec vos commentaires de manière plus classique et traditionnelle. Et ces contributions seront partagées et visibles par tous et pourront alimenter les débats de cet après-midi. Une deuxième modalité de dynamisation de cet après-midi, c'est le dessinateur que vous voyez à votre droite, Sylvain Pongy, dessinateur facilitateur graphique, qui va ponctuer l'après-midi d'interventions pertinentes et cocasses et sans doute assez drôles au fil de l'eau. Comme le veut la tradition, je vais maintenant passer la parole non pas au territoire organisateur de cette année, mais au territoire organisateur de l'événement 2020, qui est le territoire du Menet, dans les Côtes d'Armor. Et donc j'invite tout de suite Gérard Daboudet, le maire du Menet, à venir dire quelques mots. Et je vais inviter parallèlement Emmanuel Gazelle, maire de Millau, et Richard Fiol, président du parc des Grands Causses, à qui, justement, le Menet va passer le témoin dans un second temps. Gérard, je vous invite à dire quelques mots sur la manière dont l'événement s'est passé pour vous l'année dernière et puis dire tout ce que vous souhaitez de bon au territoire organisateur de cette année. Très bien. Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Gérard Daboudet, nouveau maire du Menet. Alors, je succède à Jackie Haignel parce que on ne remplace pas Jackie, hein, tout à l'heure on en parlait ensemble. Voilà, donc c'est moi qui ai repris le flambeau après lui. Il aurait aimé être avec vous aujourd'hui, mais bon, il a eu des incidents personnels qui le retiennent chez lui, pardon. Et donc on vient de Bretagne, il y a un petit groupe de 5. On vous a amené le soleil. Je crois que je ne dis pas de conneries, non? Bon, c'est, la Bretagne, des fois, il y en a quand même, hein, du soleil, il faut y croire. Voilà, donc je vais vous lire quelques mots. Donc quand la commune du Menet a lancé le grand défi en fin 2019 avec ses habitants, nous ne savions pas encore qu'un des plus grands défis pour 2020 serait d'organiser la 10e rencontre nationale TEPOS en pleine pandémie du Covid. Après réflexion et hésitation, la commune du développement durable a décidé de tenter l'aventure en s'appuyant sur la confiance vis-à-vis du travail des organisateurs, agents, élus, bénévoles et bien sûr le clerc. Et le résultat fut là, les 10e rencontres TEPOS furent un succès bienvenu. C'est vrai qu'on avait eu peur de les faire au vu de la situation sanitaire. On a pris le risque, on a fait un repas le jeudi soir comme demain soir, il y a un repas de gala, avec 400 personnes. On n'a pas eu de cas de Covid après, ça s'est très bien passé, donc je pense que vraiment tout le monde était très satisfait. Outre l'organisation, c'est la dynamique du territoire qui a permis la réussite des rencontres, une dynamique qui existe depuis plus d'un demi-siècle et qui a progressivement évolué pour permettre une mise en mouvement rapide et efficace de tous les acteurs autour d'un objectif commun. Ces objectifs furent le développement économique du territoire dans les années 60 avec Paul Loué, l'autonomie énergétique en 2005 et s'élargit aujourd'hui à la transition écologique, sobriété et résilience. C'est cette dynamique qui a permis au grand défi de se réaliser, certes pas aussi bien que nous l'aurions souhaité, porté par des coachs, des équipes motivées et innovantes, c'est bien l'intelligence collective qui a structuré ce projet et initié les actions actuelles, qui ne sont que la poursuite du travail engagé. La commune du Menet a un rôle essentiel dans la mise en marche de projets citoyens, en tant que facilitatrice, mais aussi en tant que force de proposition sur des moyens, des outils innovants, comme les conversations carbone découvertes à Clamcy en 2019, puis au Menet l'année dernière. Donc nous continuons aujourd'hui notre route vers l'autonomie énergétique et la transition écologique en investissant sur l'ingénierie territoriale. On a aujourd'hui 2 personnes qui sont chargées de développer cette mission au sein de la commune du Menet, qui, je le rappelle, n'est qu'une commune de 7000 habitants, c'est pas réducteur, hein, mais on a quand même 2 personnes à ce service-là. Le contexte de crise sanitaire nous fait encore plus comprendre qu'il est important, voire vital, de poursuivre cet engagement en faveur du développement durable. Alors la nouvelle mandature, donc, c'est une nouvelle équipe avec des gens motivés et qui ont l'ambition d'ouvrir le travail à la participation citoyenne. On pense à l'engagement des associations pour pouvoir aussi apporter des idées
à l'évolution de ce thème important. Voilà, pour le reste, je sais qu'il va y avoir des débats intéressants, aujourd'hui et demain, jusqu'à vendredi en tout cas, et moi je crois à beaucoup de choses, hein, notamment au biogaz, la voiture électrique, j'ai un peu plus de doutes ou des choses qui me gênent parfois, mais enfin, vous dire que il y a plein de choses qui sont engagées, j'espère que l'avenir nous permettra de rester optimistes, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de discours pessimistes, alors je sais qu'un pessimiste, c'est un optimiste avec de l'expérience, mais quand même, il vaut mieux rester optimiste. Et voilà, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que je voulais surtout vous souhaiter un bon séjour ici, comme on l'a fait nous dans le Menet. Et puis, effectivement, passer le témoin. Alors, la tradition veut qu'on amène des cadeaux, donc on est venu avec des cadeaux. Alors, madame le maire de Millau. Donc, fabrication bretonne, hein, tout est fait chez nous, même si c'est du foie gras. On a aussi des canards chez nous, donc on fait du foie gras. Donc voilà, merci une petite bonne, de bonnes choses, un traiteur local. Et puis pour le reste, ben, des bouteilles que vous dégusterez aussi, monsieur le maire de Nantes. Et du chouchet. Du chouchet, du miel, fabrication maison aussi. Enfin voilà. Et vous avez amené la supérette du Menet, là. Oui, exactement. Ben, on voulait être généreux parce que c'est notre cœur de. Enfin, c'est la manière dont on vit dans le Menet, on est généreux. Voilà, merci beaucoup. Et donc, comme les témoins, on rencontre tes poses, se passent dans les deux sens. Eh oui, c'est la même chose, à peu près les mêmes produits. Ça, tout à fait. C'est moi qui avais mal au ventre ce midi après avoir mangé, ça. Alors, il y a quand même des choses que vous n'avez pas, comme un gâteau à la broche, etc. Donc, voilà. Bah, très bien, très bien. Je vous remercie beaucoup. Et un livre découverte sur les grands cosses. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Merci, merci madame vous. Le maire. Merci. Merci. Emmanuel. Emmanuel Gazel, vous êtes notamment maire de Millau et donc ville hôte de l'événement qui concourt à ce titre, notamment par ses infrastructures, beaucoup à l'organisation de l'événement. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, un salut tout particulier à messieurs les présidents du Clerc, à monsieur le maire du Menet. Que je remercie encore pour son attention et puis pour son passage de relais, à monsieur le président du Parc naturel régional des Grands Causses, à madame la conseillère référente sur la partie énergétique, conseillère au PNR des Grands Causses également, sur la partie énergétique, à toutes et tous les élus ici présents, et puis toutes les personnes concernées par les sujets qui vont donc travailler pour être encore plus positifs pendant ces trois jours. Avant de démarrer, je voudrais aussi remercier chaleureusement et sincèrement les équipes du Clerc et les équipes du PNR qui, depuis un an, travaille à l'organisation de ces journées, en lien aussi avec les équipes de l'Office de tourisme, de la communauté de communes et de la ville de Millau. Donc un grand merci à chacune et à chacun, parce que voilà, le programme est très qualitatif et je suis sûre que tout va être vraiment se dérouler dans les meilleures conditions. Donc merci pour ce gros travail qui a été fourni. Alors, je suis évidemment, en mon nom, maire de Millau, mais aussi au nom de tous les élus de ce territoire, très, très heureuse de vous accueillir tous ici, à Millau, dans notre ville et puis sur les Grands Causses, dans ce territoire que vous allez prendre plaisir à découvrir, je n'en doute pas. Alors, on me dit qu'on est le plus gros congrès TEPOS jamais réalisé. Donc, bon, voilà, c'est aussi quelque chose, évidemment, qui nous enthousiasme. Alors, peut-être, juste pour donner une petite idée, on va faire un petit jeu. Si vous voulez bien, les Aveyronnais, lever les mains pour qu'on voit un peu la provenance de toute la France. Donc, il y a quelques Aveyronnais. Les Occitans, les personnes qui viennent de la région Occitanie. Ils sont en force. Et donc, ceux qui ne sont ni Aveyronnais ni Occitans, voilà, il y a du monde. Donc, bienvenue. C'est bien un congrès national. Hein. C'est bien un congrès national et je suis extrêmement fière de vous accueillir
toutes et tous à Millau. Alors j'espère que vous êtes bien installés ici, c'est notre théâtre dans lequel il y a quelques jours Vincent de Dienne jouait. Et donc j'espère que vous serez aussi accueillis confortablement ici. Alors Millau, c'est d'abord une ville dans laquelle il fait bon vivre. Vous allez le découvrir pendant ces trois jours, je n'en doute pas. C'est aussi la capitale du Gand. Du Gand qui est lié aussi à l'histoire de ce territoire. Millau est une ville dans ce territoire des Grands Causses, et donc au pastoralisme, au territoire de Roquefort, bien entendu. C'est avec les peaux des brebis qu'on a commencé à faire des gants. Donc cité gantière, aujourd'hui cité aussi et capitale des sports et des loisirs de pleine nature. Donc vous pourrez aussi vous y adonner ce week-end pour ceux qui restent. Et puis également Millau, terre de lutte. Alors il y a José Bové qui est par là et qui interviendra tout à l'heure. Terre de lutte, d'abord par rapport à l'extension du camp militaire du Larzac, mais aussi après, et José Bové en était évidemment le principal artisan, terre de lutte pour notre monde, une autre vision des choses, et un peu le berceau de l'altermondialisme. Donc je trouve qu'aujourd'hui, recevoir ces journées TEPOS ici, eh bien, ça a vraiment du sens. Alors, c'est aussi peut-être la raison qui a fait que vous avez choisi de vous inscrire en grand nombre sur cette édition. Mais Millau, en tout cas, a cette volonté de rester précurseur par rapport bien à ces changements de pratiques, à cette innovation territoriale pour que nous bâtissions ensemble un monde plus respectueux des hommes et, bien entendu, aujourd'hui, de l'environnement. Voilà, ça je l'ai dit. ce qui est aussi particulier au sein du territoire du PNR des Grands Causses, c'est qu'il y a rarement des villes de 20 000 habitants, et Millau donc est une ville de 22 000 habitants. C'est rarement le cas dans les PNR, on est plutôt sur des zones extrêmement rurales. Et ici, donc, il y a cette particularité. Et Millau, nous avons la volonté, nous y sommes engagés dans notre mandat, d'être vraiment ce moteur du changement, qu'elle soit au cœur de cette dynamique de changement. Alors, la dynamique de changement avec toujours le souci aussi de ne laisser personne au bord du chemin. Et là, l'augmentation des prix du gaz nous démontre qu'il faut vraiment avoir ce souci d'inclure un maximum de personnes dans cette transition énergétique. Donc nous menons des actions alors, avec l'échelon communal, intercommunal, ou évidemment celui du PNR des Grands Causses, souvent, voire tout le temps accompagné par la région Occitanie, sur les mobilités. Les mobilités, ça reste quelque chose de difficile en milieu rural. La place de la voiture reste prépondérante, mais on essaye d'innover en tous sens pour que chacun puisse trouver la bonne solution sur l'habitat, bien entendu, avec les éco-chèques, alors l'habitat individuel, mais également l'habitat collectif, et puis les bâtiments publics, où on fait des travaux pour réduire la facture énergétique, et ça, c'est évidemment également bon pour le pouvoir d'achat. Sur la production des ENR, et là, dans un format aussi tout à fait innovant, par multiples idées et dispositifs qui sont portés par le PNR des Grands Causses, qui ne cesse d'innover en la matière. Et puis également, c'est par la construction de bâtiments remarquables. Et sur le territoire du parc, nous en comptons au moins deux. Une école intercommunale sur un territoire voisin de Millau, sur la commune d'Aguessac, qui est à énergie positive, qui s'inscrit dans les bâtiments NOWAT, dispositif régional. Et puis également, un projet sur le Saint-Africain, là, une rénovation cette fois, qui va également s'inscrire dans cette dynamique NOWAT, un hôtel d'entreprise et voilà. Voilà, tout un complexe plutôt économique. Donc voilà, nous sommes plus que jamais motivés, et votre présence ici dit que vous l'êtes aussi, pour accélérer ces changements. Je crois que plus que jamais, nous avons besoin d'énergie et de positif aussi, avec la période que nous venons de traverser, nous avons besoin de cette énergie positive. Alors je souhaite que notre énergie positive partagée aujourd'hui soit vraiment communicante pendant ces trois jours, nous remplisse et pour ensuite aller essaimer sur chacun de nos territoires. Donc bon congrès à chacune et à chacun. Merci beaucoup. Je crois que je l'ai enlevé parce que sinon... Voilà.
Donc, merci Emmanuel d'avoir remercié tout le monde. Je ne vais pas recommencer. Un remerciement particulier pour le maire de Menay pour son accueil l'an dernier. Voilà. Donc, je vais vous présenter le parc naturel, un parc naturel régional. C'est le défi est de concilier la préservation des espèces et des paysages avec le développement socio-économique, à ne pas confondre avec un parc national où les activités humaines sont réglementées et restreintes. Alors, si je dois vous parler du parc, je vais en avoir pour 2 heures, d'accord. Donc, situé dans le sud d'Aveyron et bientôt sur le nord de l'Hérault, c'est un des plus grands parcs de France, assurant une continuité du territoire entre le PNR de l'Aubrac et celui du Haut-Languedoc. Il comporte 93 communes et, avec l'extension, 26 de plus du Levallois-Larzac, pour une population de 86 000 habitants. Donc, autour du coste du Larzac, au sud comme au nord, on retrouve les avant-costes, constitués de petites collines et de petits plateaux, accueillant leur repli des villes comme Millau, Saint-Affrique ou Lodève. Au-delà, les terres rouges, hein, des rougiers d'un côté, de l'Aveyronnais, et des ruffes côté héroletais. Et au nord, les monts, véritables barrières naturelles. Le patrimoine faune et flore exceptionnel cohabite avec une agriculture à taille humaine liée au roquefort et à l'agro-pastoralisme qui a façonné les paysages. Donc, surtout, le parc est un animateur d'une stratégie collective de territoire avec les intercommunalités, les communes et les citoyens pour une vie humaine dans un cadre à la biodiversité protégée. Les axes de travail du parc sont définis dans la charte avec 2 défis majeurs, la résilience au changement climatique et l'attractivité et le développement sociétal. Et selon 3 axes, qui est protéger la biodiversité d'exception, la richesse paysagère, la ressource en eau et les trésors géologiques. Mais on n'est pas que là que pour protéger, on doit aménager, donc mettre en œuvre sur l'ensemble du territoire une stratégie de développement d'activités centrée sur les initiatives locales et l'accueil d'actifs. Pour construire un territoire à énergie positive, se déplacer autrement et renforcer la cohésion sociale. Le 3e axe, c'est développer, renforcer l'attractivité et l'équilibre du territoire pour accueillir de nouveaux habitants, valoriser les ressources économiques locales, soutenir l'agriculture et développer le potentiel touristique, patrimonial et culturel. Et pour arriver à ça, la méthode, c'est d'associer dès le début des projets l'ensemble des acteurs, sans oublier les impacts sur l'environnement et sur la population. Cette stratégie s'est traduite dans le plan climat, air, énergie du territoire, qui est une véritable stratégie de transition écologique. Ah. Excusez-moi. Le schéma de cohérence territoriale, qui est les PLU, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, qui sont une véritable stratégie d'occupation du territoire. Mais aussi dans le projet alimentaire territorial qui valorise les produits et pratiques du territoire. Cette stratégie globale, associant tous les acteurs du territoire, n'est possible que par une innovation constante. Pour que, selon le slogan du parc, pour qu'une autre vie s'invente ici. Merci. Merci beaucoup. Pour terminer cet accueil par les organisateurs, je vais maintenant convier un duo d'hommes qui, au sein du clerc, remplace un duo de femmes depuis peu de temps. Julien Robillard, Jean-Pierre Goudard, coprésident du clerc, Réseau pour la transition énergétique. C'est à vous. Madame le maire de Millau, Emmanuel Gazel, monsieur le président du parc des Grandes Causses, Richard Fiol, mesdames et messieurs les élus,
mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accueillir dans cette belle ville de Millau pour ces rencontres TEPOS 2021. Alors, Millau est aujourd'hui mondialement célèbre pour son viaduc, mais ça, c'est de l'histoire ancienne, récente. Ça commence bien. D'un point de vue géologique, c'est... Oui, c'est de l'histoire récente. Mais compte tenu de mes cheveux blancs, moi, ce dont je me souviens, c'est Gardérem Loularzac, qui signifiait, il y a quelques décennies, que ces territoires étaient déjà engagés dans la préservation de son environnement. C'est donc en toute logique que le Parc naturel régional des Grandes Causses, co-organisateur de ces rencontres, a fait une grande cause de son environnement et souhaite aujourd'hui labelliser TEPOS. Moi, c'est Jean-Pierre, toi, c'est Julien. Moi, c'est Julien, toi, c'est Jean-Pierre. Nous sommes les co-présidents du CLER. Donc, effectivement, comme l'a dit Yannick, on a été élu, on a eu la joie et le privilège d'être élu coprésident à la suite de Sandrine et Marie-Laure. Alors, Sandrine doit se camoufler, cacher quelque part, elle doit être physiquement ici. Marie-Laure, elle est à distance. En tout cas, donc, c'est comme ça la parité chez Au Clair, c'est des femmes qui viennent, des hommes qui prennent la suite et puis c'est des femmes qui reviendront après. C'est ça. Et en tout cas, ce qui est vrai, c'est que Sandrine et Marie-Laure, elles ont fait un travail quand même exceptionnel pendant 4 ans et demi de présidence bénévole au service du réseau et de tous les sujets qui sont portés. Et en premier lieu, moi, ça me semble important En tout cas, je vous demande de vous associer à nous pour les remercier chaleureusement pour tout le travail qui a été fait durant cette coprésidence. Et dans la continuité des remerciements, alors effectivement, nous aussi, on s'associe à tout ce qui a été dit sur les remerciements et de l'équipe du CLER et de l'équipe du Parc qui ont œuvré à la préparation de ces rencontres, mais aussi un remerciement tout particulier à Yannick qui a régné sur ces rencontres depuis le début. Et donc, je vous demande même de vous lever en ovation globale. Une ovation pour Yannick! Bon, on voit qu'il est fatigué là-bas. Bon. Alors, depuis 11 ans, ces rencontres initiées par le Méné, avec l'ami Jackie qui n'est pas là, et sa bande, alors, ce n'est pas un groupe de rock, quoique, venant des Côtes d'Armor, ces rencontres sont donc l'occasion d'échanger, de travailler, de rêver aussi à un futur respectueux de la planète qui permettra de tout simplement continuer à vivre sur cette terre. C'est l'occasion de moments de convivialité indispensables, surtout qu'on est en manque, pour se ressourcer et puis de rentrer à la maison en se disant qu'il se passe plein de choses positives pour notre environnement dans tout notre territoire français. Alors, le CLER, ça a été fondé en 1984. À l'époque, ça s'appelait, et ça s'appelle toujours, le Comité Liaison des Énergies Renouvelables. Alors, à l'époque, en 84, on n'en entendait pas beaucoup parler des renouvelables. On les avait quittés pour passer aux fossiles depuis quelques temps. Et aujourd'hui, sans avoir changé de nom, le CLER, c'est le réseau, le réseau pour la transition énergétique. Donc, c'est un réseau qui est mu par des pionniers qui, assez vite, sont liés pour construire le CLER et qui ont l'exigence de bâtir un monde dans lequel on conserve une qualité de vie qui soit de bon niveau et en vivant dans les limites de la planète et dans les limites d'un pacte social qui a été forgé par notre histoire et dont on est très nombreux à être fiers. Le CLER rassemble aujourd'hui un peu plus de 300 adhérents dans toute la France, associations, collectivités, entreprises, qui mutualisent et partagent leur expertise et leur connaissance du terrain au travers de projets, de programmes et de plaidoyers pour faire bouger nos territoires tout autant que les plus hauts niveaux de l'État. Avec nos partenaires, l'Agence des cohésions des territoires, la Banque des territoires, l'ADEME et GRDF, le CLER est un réseau concret et humble qui ne s'arrête pas aux mots. C'est votre réseau. Alors bien sûr, on ne va pas s'envoyer trop de fleurs, car il reste encore beaucoup à faire. Mais alors que nous sommes dans la deuxième année de la crise du Covid et que le monde d'avant peut sembler malheureusement aujourd'hui toujours d'actualité, on peut quand même sentir que le monde change. Alors, les projections du GIEC ne sont plus des pronostics. Les prévisions d'il y a 20 ans, elles sont déjà confirmées dans les faits. Et tout ça questionne et la façon dont on conçoit nos infrastructures et puis nos modes de vie.
Et alors, je ne parle pas de l'augmentation du prix du gaz actuel, qui est précurseur, mais si on se reprojette dans l'année qui vient, et qu'est-ce que ça donnerait si la vague de froid qui s'est abattue sur le Texas nous arrivait? Qu'est-ce que ça donnerait si la vague de chaleur qu'il y a eu au Canada nous arrivait? Donc on n'est plus dans la science-fiction, et ça c'est quand même un gros changement. La crise que l'on vit depuis maintenant 2 ans, elle est quand même, elle nous montre que des scénarios de rupture peuvent se produire, et que dans ces cas-là, ça, on est questionné sur les règles, les tabous qui guident nos chemins de vie et qui peuvent être transformés rapidement pour changer le cours des choses. Donc il en est du virus comme de la transition énergétique. Quand les enjeux sont tels, il est notre devoir de changer le cours des choses, et c'est ce que chacun d'entre nous, ici et avec nos équipes, dans nos territoires, mais aussi ensemble, ces 3 prochains jours, on fait. Et on a raison de le faire, et particulièrement aujourd'hui. Alors on sait tous que ce n'est pas de tout repos. On manque d'ingénierie, d'animation, d'argent pour investir. Nos compatriotes ne sont pas toujours aussi mobilisés qu'on le souhaiterait. Mais justement, travaillons ensemble pour clarifier nos besoins et trouver ensemble avec l'État, les régions, les départements et les diverses agences les solutions dont nous avons besoin. Et puis tout de même, il y a des signes qui ne trompent pas. Alors qu'il y a 100 ans, il fallait investir 1 baril de pétrole pour en récolter 80. Aujourd'hui, si on regarde le pétrole de schiste, il faut en investir 1 pour en obtenir 2. De leur côté, les panneaux solaires produisent aujourd'hui 35 ans ou plus. Sur de telles périodes, ils peuvent d'ores et déjà générer 30 à 40 fois plus d'énergie que celle investie dans leur production. Peut-être que dans 10 ans, le solaire atteindra le facteur 80. Alors, il n'y a pas d'énergie 100% propre, bien sûr. Et la priorité, c'est la maîtrise de l'énergie. On aurait énormément de choses à dire sur ce sujet des maîtrises des consommations et du changement des usages. Mais au final, sans rentrer dans les détails, ce qu'on peut dire, c'est que la puissance finalement de la bascule que nous allons vivre tous va être phénoménale. Je note que Jean Pisani-Ferry, là, qui est commissaire général de France Stratégie, l'a lui-même reconnu en indiquant que la mutation allait être brutale. Donc il va falloir y faire face. Pour y faire face, il faut planifier, s'organiser, s'outiller. Donc on a eu raison, il y a maintenant 11 ans, de lancer le réseau TEPOS pour préparer tout ça. On a raison aujourd'hui de faire vivre notre communauté apprenante en se retrouvant ici pour partager et progresser tous ensemble. Et on aura raison dans 3 jours de rentrer tous dans nos pénates avec le souhait de reproduire les expériences, de faire connaître, nourrir le réseau qu'on a constitué, le réseau du TEPOS et le réseau du CLER. Parce que le CLER et le réseau TEPOS, ils sont quand même pas très connus. Et quand on regarde finalement le boulot qu'il va y avoir à faire, nos réseaux seront essentiels. Vous qui êtes à Millau aujourd'hui, aidez-nous à les faire connaître pour ce que nous faisons de beau et d'intelligent dans nos territoires soit fait partout demain et au bénéfice de tous. Merci d'être là aussi nombreux. Madame le maire l'a souligné, c'est un record pour ces 3 jours de rencontre et pour tout le travail que vous accomplissez au quotidien dans vos territoires respectifs. Belle rencontre 2021 à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, 5 minutes, c'est terriblement court, en fait, comme temps. On va rentrer maintenant dans le... On va se rapprocher, on va dire, du vif du sujet avec Sandrine Peyretout, élue référente des questions énergie au parc. Vous allez nous donner quelques éléments sur la politique énergétique du parc, mais aussi sur le programme. Je vous laisse. Séverine, Sandrine, c'est pas la première fois que ça... Séverine, c'est à vous. Merci. Oh, vous êtes nombreux. Donc, c'est à mon tour de vous dire combien nous sommes fiers et heureux de vous voir aussi nombreux sur ces 11e rencontres nationales TEPOS à Millau. Le parc naturel régional des Grands Causses agit maintenant depuis plus de 12 ans sur les questions de la transition énergétique en mobilisant les collectivités de son territoire, mais aussi, on le verra cet après-midi, les entreprises et les citoyens. Notre ambition est forte puisque nous avons pour objectif de devenir un territoire à énergie positive dès 2023 et au-delà de devenir un territoire solidaire et contributeur également des objectifs régionaux et nationaux. Vous pourrez le constater, nous faisons au sein du parc de l'énergie une politique stratégique du développement économique et de l'aménagement du territoire
Monsieur Richard Fiol en a parlé quand il a énuméré aussi le rôle et la stratégie du parc. Cette politique autour de l'énergie, on l'amène de la même façon que la politique autour de la biodiversité ou de l'habitat ou celle du tourisme, donc pour faire vivre ce territoire. Le programme qui vous attend, vous l'avez vu, vous l'avez constaté, il est riche sur ces journées TEPOS, il est dense et il est le fruit d'un travail qu'on a mené en copie là, depuis le début de l'année 2021. Et je tiens tout particulièrement à remercier pour leur travail Yannick Rignier, bien sûr, du Clair, mais aussi Alexandre Chevillon du Parc, qui ont tous les deux mené un travail colossal. Et je suis sûre que vous apprécierez tout au long de ces deux journées le programme qui vous est proposé. Donc ce programme, il va se décliner sous quatre formats. Dès cet après-midi et vendredi matin, vous avez la possibilité de participer à différentes conférences et tables rondes. Cet après-midi également, vous vous êtes inscrit sur l'une des 9 visites de réalisation qui vous ont été proposées, certaines à Millau, d'autres à Sainte-Afrique, je vous y retrouverai avec plaisir, et également sur Séverac ou Aguesac. Demain, des ateliers avec de nombreux retours d'expérience locaux, régionaux et nationaux. Et également, on a voulu ces rencontres conviviales et donc vous aurez largement l'occasion de joindre l'utile à l'agréable et de découvrir, on l'espère, tous les charmes du Sud Aveyron et échanger autour de moments conviviaux, festifs, gastronomiques. Notamment, nous vous réservons une très belle soirée de gala demain soir avec tout un tas de surprises, mais bon, comme ce sont des surprises, je ne vous en dis pas plus. J'espère que vous apprécierez. Pour finir, et avant de commencer les premières tables rondes, je souhaite à remercier bien évidemment les financeurs et les partenaires qui se sont fortement impliqués. Donc merci à l'ADEME, à la région Occitanie, au département de l'Aveyron, au CIEDA, à Enedis, ainsi qu'à la communauté de communes Millau-Grand-Causse, à la ville de Millau, à l'office de tourisme, à la compagnie FH du Viaduc et à la société des Caves. Très belle journée à tous et très bon TEPOS. Merci. C'est dans un pari un peu fou que s'est lancée l'intervenante suivante, avec quelques autres chargés de mission énergie dans les territoires. Celui de parler de son parcours professionnel, mais aussi personnel, de sa vie en somme, en toute sincérité, seul, sur scène, devant 400 personnes. Nous avons appelé ça un témoignage vivant, en toute simplicité. Anne, je te propose de me rejoindre sur scène. Anne Auclair est chargée de mission en transition. Je vous laisse découvrir pourquoi. Bonjour. Donc voilà, moi je m'appelle Anne, comme l'a dit Yannick. J'ai, comme disent les enfants, j'ai 38 ans, 3 quarts. J'ai justement deux petites filles de 3 et 5 ans. Et puis depuis une quinzaine d'années, à mon rythme et à la façon dont je peux le faire, j'essaye de changer le monde, un geste à la fois. En fait, j'ai grandi dans un monde un peu de bisounours. Pendant super longtemps, je ne pensais pas que le monde il avait besoin de changer, qu'il avait besoin d'être protégé, qu'il pouvait être fragile. Pour vous placer un peu le contexte, je suis fille d'enseignant. Mon papa est fils de paysan depuis X générations. Ma maman est fille d'émigrés polonais qui travaillaient dans le bassin minier pas loin de chez moi. Et puis ils se sont rencontrés en animant des colonies de vacances sur la côte atlantique. Et quelques décennies plus tard, après avoir passé un peu de temps à Dijon à distribuer la tribune communiste et à accueillir des objecteurs de conscience dans une coloc avec je ne sais pas combien de personnes, et ben ils sont toujours ensemble, ils ont fait 4 enfants et ils habitent encore à la maison familiale. C'est ça un peu mon monde de bisounours à moi. Cette maison familiale, elle est basée à Beaubrie. C'est là que j'ai grandi. Beaubrie, c'est un petit village du Charolais. 400 habitants, si on compte le nombre de vaches, je pense, à son pic démographique. Et puis, dans ce petit village-là, ça ressemblait un peu à la petite maison dans la prairie, en fait, avec l'électricité et l'eau courante, quand même. Mais grosso modo, il y avait une classe unique du CP au CM2. Il y avait
un boulanger. Dans les années très très fastes, il y a eu une petite épicerie, il y avait une église qui, pendant un certain temps, avait encore un petit peu de fréquentation. Mais surtout, il y avait une vraie communauté. En fait, moi, le souvenir que j'en ai de cette jeunesse, c'est d'un comité des fêtes qui animait le village, avec lequel on faisait des sorties sur la journée pour aller faire du ski dans le Jura, où on allait voir des spectacles. Et puis, tous les 15 août, c'était la fête du village. Et donc, moi, depuis mes 3 ans, jusqu'à ce que je quitte la maison à 17 ans, je revivais les métiers traditionnels, le filage de la laine au rouet, à pied, les moissons à la main et les danses et musiques traditionnelles. On dirait pas comme ça, mais moi, depuis que j'ai 3 ans, je sais danser la polka piquée. Ça fait talon, point, pas de polka. Et puis, surtout, et ben, c'était ce sentiment d'appartenir à une communauté, cette espèce de respect pour la ruralité et la réalité d'un territoire comme celui-là, que j'ai ancré en moi depuis toute petite. Et je me demande d'ailleurs si les gens loin, là-haut, qui décident des programmes, des politiques, des financements, de comment devrait se comporter un territoire et qu'est-ce qu'il a le droit de faire. Je me demande si ça pouvait être différent, si tous ces gens-là avaient connaissance de la réalité de ce que c'est de vivre dans un territoire comme celui-là. J'imagine que ça pourrait peut-être changer des choses. Bref, au milieu de tout ça, je suis allée à l'école, au collège, au lycée, qui évidemment n'était pas dans le petit village de Beaubrigue, était à 30 minutes de bus. Il fallait partir à 7h du matin, conduit par un chauffeur qui trempait ses tartines sans doute dans autre chose que du café le matin d'ailleurs. Mais on n'a jamais eu d'accident. J'étais bonne élève, j'étais même super bonne élève en fait, mais j'ai jamais eu de passion. J'ai essayé l'équitation et les profs étaient trop méchantes. J'ai essayé la natation, mais j'aime pas faire de compétition. Et du coup, dans le parcours scolaire français, il faut quand même se décider à faire quelque chose. Donc arrivée au bac, je décide de faire une école de commerce en me disant que finalement une école de commerce, ça peut permettre de faire plein de trucs, tout et rien. Puisqu'on y apprend tout et rien, en fait. Et donc, je m'en vais à Lyon, dans la grande ville. Alors, ça, c'est la première expérience incroyable. Et puis, je fais une école de commerce axée sur l'international, où je passe sur mes 4 ans, un peu plus de 2 ans à l'international. Allemagne, Pays-Bas, Australie. À l'époque, l'empreinte carbone d'un déplacement, bien franchement, on n'en parlait pas du tout. Mais bon, ça finit par finir aussi, une école de commerce. Et du haut de mes à peine 22 ans, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire de ma vie. J'avais toujours pas de passion, à part une idée vague de se dire que... En fait, il faudrait que je porte des tailleurs, des talons hauts et que je passe du temps entre New York et Singapour avec un attaché-case rempli de papier. Mais bon, ce n'est pas franchement un objectif de vie non plus. Et du coup, étant toute jeune et n'ayant pas encore d'attache, et étant toujours assez bonne élève finalement, je décide de faire un master à l'étranger parce que la seule chose qui m'animait à ce moment-là finalement, c'était de partir dans d'autres pays, de réussir à m'y adapter, à m'y acclimater. Donc je m'en vais au Canada et je fais un MBA, un Master of Business Administration, à Québec. Et en fait, c'est là que je commence à avoir des vraies révélations. J'atterris le 1er août 2004 à Québec. Et là, je réalise 3 trucs. Le premier truc, c'est la force de la nature. Et pourtant, j'ai grandi à Beaubrigue, un petit village du Charolais où j'étais quand même vraiment ancrée dans la nature. Mais là, mes colocs québécois, puisque j'étais en colocation avec plein de Québécois, se disent, on va prendre la petite Française sous notre aile et on va lui faire découvrir ce que c'est vraiment le Québec. On embarque dans la Honda Civic de ma coloc. Et il m'emmène au Saguenay. Le Saguenay, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, il y a Québec, il y a le Saguenay à 2-3 heures de route. Et pour ça, il faut traverser le parc de la forêt boréale, grosso modo. Donc pendant 2h30 de route à 100 km/h, partout autour de soi où on peut regarder, littéralement, tout ce qu'on voit, ce sont des arbres. Il n'y a rien d'autre que des arbres. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de pylône, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Et en 2004, on n'avait pas tous un téléphone dans notre poche. Et là, je me souviens d'avoir été mais complètement soufflée de me dire, mais s'il nous arrive un truc, mais on est mort, quoi. Enfin, il n'y a personne qui sait où on est, personne, on ne croisait même pas de voiture régulièrement. Et c'est là que j'ai découvert, en fait, qu'on n'était pas grand-chose au milieu de cette nature-là. Et comme je vous le dis, pourtant, moi, je viens d'un milieu rural, ancré dans la nature, mais de là où on est, en haut de la colline, à Beaubrigue, on voit des maisons partout, en fait, même si on est dans un territoire rural. Et là-bas, de se sentir si petit face à cette force de la nature, ça a été le premier de mes chocs. Et parallèlement, mais de façon assez contradictoire, le deuxième choc que j'ai eu, c'était la fragilité de cette nature-là. Parce que devant cette force-là, en même temps, au début des années 2000 au Québec, c'est là que j'ai découvert ce que c'était que l'exploitation forestière à outrance, que d'avoir en effet des grands barrages hydroélectriques pour avoir de la super énergie renouvelable et propre et décarbonée, c'était aussi de détourner des rivières ancestrales sur des terres autochtones.
C'est aussi l'exploitation minière à ciel ouvert, et c'est aussi l'urbanisation à outrance de l'Amérique du Nord avec des autoroutes qu'on n'arrête pas de construire. Et c'est pareil, c'est un peu la même question que je me pose en me disant, si nous tous, en tant que société, on avait la chance de la voir, cette contradiction-là, mais littéralement, c'est-à-dire d'avoir les pieds dedans et de la voir concrètement, est-ce que nos comportements seraient différents? Est-ce que tous, individuellement et en tant que société, on n'aurait pas des choix de vie et de comportement qui pourraient être différents? Et le troisième clash que j'ai eu, c'est qu'en arrivant, j'avais le choix de mes cours en MBA, et j'ai découvert une panoplie de thématiques qu'on n'avait absolument jamais abordées en France, qui plus est en école de commerce, qui étaient l'éthique des affaires, le management environnemental des entreprises, les systèmes de gestion environnementale, enfin tous ces trucs-là. Et là, commence à s'allumer une toute petite flamme qui, pour l'instant, n'existait pas vraiment, tu vois, dans ma vie, bien bisounours, sympa, câlin, tout ça. Et là, je me dis, ouais, je vais pousser un petit peu ça. Donc, je finis mon MBA avec un directeur de thèse qui est un peu mon premier mentor de thèse. J'exagère, ce n'est qu'un mémoire de fin de master, ce n'était pas du tout une thèse. Et là, entre-temps, je me suis mis avec mon chum québécois, un de mes colocs, c'était facile, je tombe en amour, machin. Le Québec, plein emploi, très facile d'y rester. Donc, je décide d'y rester. Je trouve un premier boulot chez un armateur de navires marchandes, des vraquiers, des pétroliers qui parcourent le Saint-Laurent, le Grand Nord, le monde entier. Et je suis conseillère en environnement dans cette boîte-là. Et du coup, je découvre là aussi des pratiques assez ignobles. Enfin, bon, vous pouvez vous en douter, on balance les poubelles par-dessus bord, on rince les cales en pleine mer, on balance des espèces invasives un peu partout. J'ose à penser que ça a un petit peu évolué, mais j'étais là au balbutiement de l'évolution de ces pratiques-là, en tout cas autour du Saint-Laurent, et ça c'était grisant, c'était trippant, c'était super, c'est une très belle industrie qui mérite à gagner justement en puissance, parce que transporter des choses en bateau c'est quand même très écologique, malgré tout. Et je vais très vite, Yannick, t'as pas le droit de me lancer en bas de la selle, maintenant de toute façon que je suis ici, je continue. et du coup, je pense que j'y serai encore sincèrement dans cette industrie-là qui est super, super trippante. Mais le PDG de cette boîte-là, c'était un comptable. Ce n'était pas un être humain. Et il avait vraiment un système de management terrible. Et là, du haut de mes à peine 26 ans, je me suis rendu compte que ça, c'était quelque chose que j'accepterais jamais. Et je suis rentrée dans son bureau. Il avait beau me promettre toute une carrière, un poste de VP, tout ce que vous voulez. Je lui ai dit, non, mais moi, je m'en fous de la carrière que vous m'offrez. Je ne peux pas travailler pour quelqu'un comme vous. Et je pense que vous aurez beaucoup de mal à recruter des gens de ma génération si vous continuez d'avoir ce comportement-là. Je ne pense pas que ça ait changé le comportement de ce monsieur-là que je lui dise ça, mais moi, je suis partie. Je suis partie et c'est là que ma vie a basculé, dans le bon sens du terme, parce que j'ai rencontré le vrai mentor de ma vie, qui s'appelle Christian Savard, que vous ne pouvez pas connaître puisqu'il est québécois, mais qui a su lire en moi comme dans un livre ouvert, qui a vu bien au-delà de ce qu'il pouvait y avoir sur un papier de CV, et qui, malgré le fait que j'avais aucune expérience de direction en soi, m'a offert la direction d'une association, un centre de gestion des déplacements qui travaille en fait à faire de la mobilité durable auprès des entreprises pour limiter l'utilisation de la voiture. Et là, je découvre les associations qui œuvrent dans le milieu du développement durable, particulièrement au Québec. Et c'est là que la flamme, elle s'allume. Et c'est là que je découvre ma voix, toutes ces associations qui travaillent en aménagement du territoire, en bâtiment durable, en conseil aux collectivités. Et là, je sais ce que je dois faire dans la vie. Je sais que c'est ça, que c'est là-dedans qu'on peut changer le monde avec des équipes d'une intelligence incroyable et qui sont justement recrutés non pas par leur CV, c'est-à-dire qu'on donnait la chance autant à quelqu'un qui a fait un doctorat qu'à quelqu'un qui a grosso modo passé son brevet et s'est construit lui-même tout seul sa carrière. Et ça, c'est quelque chose de très nord-américain et je pense qu'il y aurait quelque chose à apprendre de ça en France parce que c'est un petit peu plus carré la France de ce côté-là. Donc je fais ça pendant 10 ans. En faisant des semaines un petit peu grosses de 50 heures et tout, mais j'ai pas encore d'enfants. Puis de toute façon, les gens avec qui je travaille, c'est aussi mes amis. On va au ski ensemble, on fait de la rando, on fait le tour des bars de Québec ensemble, et donc ça passe tout seul. Mais du coup, entre temps, je suis plus avec mon chum québécois. J'ai rencontré mon amoureux, qui est malgré tout français de là-bas, et on fait un bébé, et je tombe enceinte d'un deuxième bébé. Et là, on se dit, c'est trop difficile de rester à l'autre bout du monde, en fait, d'être obligé de traverser l'Atlantique pour voir nos familles, pour que nos enfants connaissent leurs grands-parents, leurs cousins et leurs oncles et tantes. Et là, je fais le choix le plus déchirant de ma vie, du haut de ma petite vie. Ça a été de m'expatrier en France. Parce qu'en vrai, l'expatriation, elle ne s'était pas passée 15 ans avant. L'expatriation, pour moi, ça a été de quitter le Canada.
et de revenir en France. T'arrêtes le timing un petit instant. Et du coup, je reviens en France. Alors, c'est un clash culturel gigantesque, même si je suis très heureuse de retrouver les miens et quelque part ma culture. Enfin, on se reconnaît quand même dans le pays ou dans lequel on est né. Et donc, là, je profite de mon congé de maternité québécois qui dure un an. Là aussi, il y a peut-être quelque chose à apprendre du côté de la France. Et puis, à un moment donné, ben, je veux retourner au boulot, puis je veux retrouver cette flamme qui m'animait. Et je vous passe tous les détails, parce que sinon, enfin, j'ai pas le droit de rester là pendant une demi-heure. Du coup, un poste de chargée de mission TEPO s'ouvre à la Comcom du Clunisois, et je me retrouve en poste à cet endroit-là. Et je me dis, mais c'est super chouette, parce que je sais que la transition, c'est dans les territoires qu'elle se passe. Et je me dis, c'est la meilleure façon de faire changer les choses. Mais là, je reprends un autre clash un peu dans la tête. C'est les collectivités françaises. Vous savez, toutes les strates. Moi, je ne connaissais pas ça. Hein. Le Québec, c'est tout petit. Voilà. Donc là, j'apprends tout ça et je tombe un petit peu dénue parce que je me dis, la transition, c'est en effet au cœur des territoires. Mais en fait, ils n'ont pas les moyens de le faire. Donc, là, ça ne me dérange pas trop parce que j'avais l'habitude de faire des demandes de financement, de chercher des sous et tout. Donc ça va. Mais le deuxième clash que je vois, c'est que malgré un portage politique très très fort, moi j'ai la chance d'avoir travaillé dans un territoire où il y a un portage politique très fort sur la transition, malgré tout, on se retrouve face à l'interne, à l'administration d'une collectivité, où on peut se faire dire, tu sais, la transition écologique, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment au cœur de la mission du service public. Développe pas trop quand même, parce que tu as beau développer, répondre à des appels à projets et les gagner, il y a quand même un reste à charge à payer derrière. On se calme un petit peu, va pas trop vite. Et puis, tu sais, les changements de comportement sur les changements climatiques, monter en compétences là-dessus, c'est pas franchement dans la fiche de poste de tout le monde, hein, donc faudrait pas non plus exagérer à vouloir parler de ça à tous tes collègues tout le temps. Ça fait beaucoup de claques dans ma petite personnalité à moi. Et je me demande, j'aimerais bien en discuter avec vous, c'est un peu une question ouverte, mais en fait, comment on peut faire pour vraiment mobiliser toutes les forces vives au niveau d'un territoire? Je le dis, moi, au niveau politique, ils sont engagés. Mais comment on fait pour engager les politiques qui ne le sont pas et comment on fait pour engager à l'interne d'une collectivité quand ça ne veut pas suivre? Parce que ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas les deux ensemble. Ce n'est pas vrai. Ça ne marchera pas s'il n'y a pas les deux qui travaillent ensemble comme ça. Mais du coup, cette question-là, je sais qu'on aura la chance d'en reparler tous ensemble parce que depuis une semaine, j'ai retrouvé la flamme qui m'animait jusqu'à maintenant. C'est que j'ai retrouvé une structure où il y a une équipe super brillante qui est là par passion, qui est là par vocation, qui croit en sa mission. Et je pense que vous avez déjà entendu parler de cette association-là, ça s'appelle le CLER. Et donc depuis 9 jours maintenant, j'ai rejoint l'équipe du CLER pour succéder à Yannick, parce que je ne le remplacerai jamais. Mais je lui succède d'une autre façon et j'aurai beaucoup de plaisir à travailler avec vous et pour vous. Bravo, pas facile cet exercice. Pouvions-nous venir à Millau et sur le territoire des Grands Causses sans inviter cette figure locale du territoire, bien sûr, et de l'écologie d'autre part? Sans doute non. José Bové, vous êtes, selon votre profil Twitter, paysan, altermondialiste, écolo, ancien député européen, installé sur le Larzac. Et nous allons prendre avec vous un peu de recul et, je pense, être en résonance avec la table ronde qui va suivre sur les questions économiques. José, je vous laisse la parole. Merci à toi. Alors, bon après-midi à tout le monde. Je vais essayer de ne pas être long, d'essayer d'être un peu synthétique pour laisser le temps vraiment au débat après. Je ne vais pas revenir sur les derniers rapports du GIEC, on en a parlé tout à l'heure, à part quelques platistes qui croient que la Terre est plate et qu'il n'y a pas de réchauffement climatique parce que le thermomètre dans le jardin ne montre pas qu'il fasse froid.
je crois qu'il n'y a plus personne qui met en doute la réalité de ce monde. Et pourtant, si on regarde toutes les projections, on se rend compte que les choses n'avancent pas, qu'on est globalement dans la même situation qu'il y a 5 ans ou 10 ans, et que depuis qu'on a des COP, les unes après les autres, rien n'a bougé. Mais quand je dis rien, c'est rien. Et que même avec la COP 21 à Paris, où tout le monde s'est félicité du petit coup de marteau final, eh bien on se rend compte que la progression du réchauffement climatique continue de manière obstinée, et que les États, eh bien effectivement, font des beaux rapports. L'Union européenne annonce des belles perspectives de réduction. Alors on part à 50, puis c'est 55, pourquoi pas 60, etc., etc. Mais globalement, on se rend compte que rien ne bouge malgré l'ensemble de ces textes et de ces rencontres internationales. D'ailleurs, vous l'avez vu certainement il y a 2-3 jours, tout le monde ne l'apprécie pas, mais quand Greta Thunberg est montée à la tribune l'autre jour, elle leur a expliqué COP 21, 22, 23, blablabla, développement durable, blablabla, etc., etc., etc. Elle n'a pas arrêté de remettre en cause la frilosité et le fait que les États ne bougent pas d'un millimètre. Je dis les États, mais je dirais aussi les grands lobbies, que ça soit ceux du pétrole, que ça soit ceux des énergies, que ça soit les banques qui continuent à financer 10 fois plus les énergies polluantes que le renouvelable, etc., etc. Je dirais qu'on est toujours dans la même situation, et mon sentiment, c'est qu'en dehors du discours politique où, en fonction des pays, tous les 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, il faut faire un discours où on remet l'écologie au cœur de la politique, la réalité, malheureusement, c'est que les États ne bougent pas. Et donc, je dirais qu'on est dans cette situation-là. On est dans cette situation-là, et c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui, parce que je pense que ces révolutions énergétiques, ce changement de paradigme au niveau à la fois de la production d'énergie, de sa consommation et aussi du vivre ensemble et de sa répartition sociale, ce n'est que sur les territoires aujourd'hui que ça se met en œuvre. Si on attend un plan national, on voit ce qui s'y passe. Aujourd'hui, le seul endroit où il y a des avancées, c'est effectivement sur les territoires. Et ça se fait pas forcément toujours de la même manière, mais en tout cas, il y a une direction. Et ça, on ne pourra pas l'enlever au territoire. La région Occitanie, le parc des Grands Causses, qui est notre territoire, ben on se donne les moyens de le faire, et même si l'État ne fait qu'accompagner, entre guillemets, eh bien, on est en capacité d'avancer. Et je dirais qu'il y a aussi des entreprises qui, dans cette direction-là, notamment dans les énergies renouvelables, eh bien, font le job et permettent aussi au territoire d'avancer. Donc ça, c'est une réalité qu'on vit aujourd'hui, je dirais, au quotidien. Mais malheureusement, face au grand discours de l'État, à quelques mois des élections présidentielles, on se rend compte que l'État est capable, alors qu'il défend les énergies renouvelables, eh bien, par en dessous, de publier des textes qui vont radicalement à l'opposé des énergies renouvelables. Et le dernier document qui est consultable du ministère des Armées, qui est une instruction militaire, numéro 1050, eh bien cette instruction militaire, le 18 juin 2021, c'est pas très vieux, juste avant les vacances, cette instruction militaire a décidé, comme pour nous il y a 50 ans, quand ils avaient décidé l'extension du camp militaire, sans demander notre avis et sans jamais prendre en compte la réalité des gens qui habitaient sur le Larzac,
Eh bien, je peux dire qu'aujourd'hui, 50 ans après, au niveau national, l'instruction 1050 du ministère des Armées, et qui est donc applicable à partir du moment où elle a été émise, cette instruction double la circonférence, ou la distance plus exactement, entre les radars de l'armée passant de 30 km à 70 km, et dans ce rayon-là, plus aucune éolienne ne doit être construite. Si vous revenez à ce que ça veut dire aujourd'hui sur le terrain, si vous prenez la carte de France et que vous mettez tous ces radars militaires là où ils sont, eh bien, il ne reste plus que moins de 5% du territoire français sur lequel on peut bâtir une éolienne. C'est la réalité d'aujourd'hui au moment où le TEPOS se réunit à Millau. On est dans une situation parfaitement scandaleuse. Et sur les 4,5%, donc moins de 5% qui restent, où on pourrait un jour peut-être faire aboutir un projet éolien qui serait participatif, qui serait conçu de la meilleure façon qui soit, eh bien là, ce sont toutes les règles aujourd'hui qui s'opposent à son développement qui sont mises en place. Alors je vous demande demain, combien effectivement d'éoliennes on va pouvoir construire? Eh bien, je vous dis, c'est zéro. On est en train d'ouvrir ces journées à Millau avec un projet zéro éolienne. Moi, je me retourne vers vous. Que va faire le TEPOS? Parce que c'est à vous de faire le job maintenant. Nous, on s'est battus, on a empêché les militaires de venir. Aujourd'hui, le projet militaire, instruction 1050, il s'en prend à l'ensemble du territoire français en gelant de manière totale le projet de construction d'une partie des énergies renouvelables. Est-ce qu'on va laisser faire? Est-ce qu'à la sortie de ces rencontres, vous allez, vous et tous vos réseaux, tous ceux qui sont engagés concrètement, est-ce que vous allez laisser faire ça? Est-ce qu'il va y avoir une déclaration publique pour dénoncer cette situation? Moi, c'est ça la question que j'ai envie de vous poser. Alors, on m'a dit de prendre la hauteur. Moi, je me suis mis à 200 mètres au niveau d'une éolienne. Et je me dis, est-ce qu'on peut construire aujourd'hui la transition énergétique avec un État qui va à l'encontre de l'intérêt général et qui, sous couvert de radars, essaye d'empêcher le développement du renouvelable? Je me demande si l'armée allemande peut encore fonctionner avec le nombre d'éoliennes qu'il y a chez eux, ou alors ils n'ont plus de radar, ils n'ont pas de radar, je ne sais pas comment ils fonctionnent. Peut-être qu'ils font ça avec de la fumée, je ne sais pas. On est aujourd'hui dans une situation complètement cinglée. Alors moi, ce que j'aimerais, pour conclure, c'est de vous dire, on a eu un soutien quand on s'est battu il y a 50 ans contre les sanctions du camp militaire, qui est venu de toute la France. Et grâce à ce soutien, on a gagné. Aujourd'hui, on a la chance, grâce au réseau TEPOS, d'avoir un réseau français. Eh bien, là, tous ensemble, il faut demander l'abrogation de l'instruction 1050 du ministère des Armées. On peut le faire, on doit le faire, sinon tout ce qu'on va raconter, c'est juste que du baratin. Merci. Bon, moi, l'avantage, c'est que je suis plus salarié du Clair dans 3 jours. Mais je crois que le message est bien passé, quand même. Bien, alors, une fois n'est pas coutume, la table ronde suivante va être animée par quelqu'un d'autre que moi. Florent Taris, directeur général des services du parc des Grands Causses et développeur territorial dans l'âme, on peut le dire, je pense. Avec Alexandre Chevillon, chargé de mission énergie du parc, vous avez constaté et encouragé l'implication croissante des acteurs économiques dans le projet Territoire énergie positive défendu par le territoire. Et vous avez donc proposé de les réunir cet après-midi pour échanger justement sur la place que ces acteurs-là peuvent jouer en lien avec le projet de territoire. On va avoir donc dans cette table ronde Emmanuel Cachot,
directeur général délégué de la compagnie Eiffage du viaduc de Millau. Parce que quand on dit acteur économique, enfin, on va chercher les principaux. Hein. Jean-Pierre Lost, directeur industriel de la Société des caves de Roquefort. Et Marc Sévigné, gérant de l'entreprise Sévigné. Donc, Florent, voilà le micro. Je vous invite à vous installer sur les différents fauteuils. Et je vous laisse la parole et l'animation. Bon, merci. Donc, effectivement, lorsqu'on a commencé à travailler en comité de pilotage sur l'organisation des ateliers, le territoire, on a absolument souhaité faire une table ronde avec les acteurs économiques parce que, comme tous les territoires, on a travaillé avec le monde associatif, on a travaillé avec les collectivités locales, on a travaillé à peu près avec tout ce qui se faisait sur le territoire. Mais à un moment, on a souhaité franchir un cap qui n'était pas forcément évident, ni pour nous, ni peut-être pour les entreprises. Il fallait associer les entreprises à la démarche, sinon on n'allait pas réussir. Bon, on avait prévu d'inviter l'armée, puis finalement on a décidé au dernier moment de ne pas l'inviter. Donc, non, c'est une plaisanterie. Il fallait effectivement indiquer trois acteurs. Alors, le premier acteur, c'est Emmanuel qui représente le viaduc de Millau, qui est un peu notre tour Eiffel. Donc, il s'exprimera. Marc Sévigné, qui a contribué à construire le viaduc, mais il nous le dira, il ne veut pas être cantonné, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est là, au seul TP, alors que son activité à l'origine est partie du travaux public, mais il nous expliquera qu'il a fait lui aussi sa transition sur ces questions-là. Et Jean-Pierre Lost, qui représente, j'ai envie de dire, Société des Caves aujourd'hui, mais plus largement, on a voulu associer le Roquefort, parce que c'est le Roquefort et les brebis qui font le Roquefort qui ont dessiné tout le territoire que vous voyez autour. Donc c'est pour ça que les trois ont une représentation forte. Alors on va attaquer la table ronde. La première question que j'ai envie de poser à chacun d'entre vous, et le premier ce sera Emmanuel, les questions de transition écologique, de transition énergétique, comment votre entreprise est rentrée dans ces questions-là ? Bonjour à tous. Deux points. D'une part, le groupe auquel on appartient, qui est le groupe Eiffage, qui est un acteur de la construction et des travaux publics essentiellement, mais aussi beaucoup dans l'énergie et l'immobilier, en fait, etc. Et notre patron actuel nous a donné comme mission de réduire nos émissions de carbone au niveau de 2017 et d'ici 2025. Donc toutes les activités du groupe s'inscrivent dans une logique de réduction de nos émissions carbone. Et puis le viaduc de Millau, il est arrivé sur le territoire au début du siècle et on va y rester un moment puisqu'on a une concession de 79 ans. Donc on va rester ici jusqu'en 2079 et notre souci c'est aussi de s'inscrire dans notre territoire et donc naturellement avec les équipes de Florent de réfléchir à la façon dont on va appliquer la politique du groupe mais tout en étant complètement en phase avec le territoire. Donc on a commencé à travailler ensemble sur déjà savoir où on en était, puisque depuis 2013, on a déjà réduit nos consommations d'électricité de 40%. On a éteint le viaduc, alors qu'à l'origine, il était, comme la tour Eiffel, éclairé en permanence. Aujourd'hui, il est éteint en permanence, et ça ne perturbe personne, et c'est bon pour l'environnement. Et puis, de regarder avec le parc comment, en 2025, on pourrait être au minimum neutre en énergie. Et donc, on va investir dans le photovoltaïque, d'une part pour notre autoconsommation, et puis que le péage à Saint-Germain
soit neutre en consommation énergétique. La même chose sur l'aire du viaduc, qui est quand même une aire emblématique, où on a une activité où on reçoit 800 000 personnes par an. Et donc, l'activité touristique d'accueil du territoire, elle doit être également neutre en énergie, et on va y travailler. Et puis, je dirais aussi, c'est d'accompagner l'évolution des transports et de la mobilité, puisque bon, il y a 5 millions de véhicules qui passent sur le viaduc par an. Aujourd'hui, c'est 5 millions de véhicules thermiques. Et que demain, on espère bien participer à la transition en leur permettant de recharger leurs véhicules électriques sur nos aires. Et c'est le travail aussi sur lequel on va œuvrer dans les années qui viennent. Marc, à l'origine, entreprise de TP, avec tout ce que ça, on imagine comme image autour. Et à un moment, tu décides de t'attaquer au sujet des transitions. Donc, comment, pourquoi? Oui, alors moi, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, donc j'ai travaillé donc dans l'entreprise familiale. Les racines de l'entreprise, c'était les travaux publics. Donc, on faisait des routes. On fait toujours des routes. Ce sont nos racines et c'est 60% de notre activité. Derrière, on est sur un département rural. À l'époque, on était une cinquantaine. Aujourd'hui, on est 270. Et donc, pour arriver à ce développement, je me suis dit, il faut diversifier l'entreprise. Et donc, on s'est lancé dans, alors on va dire, un parallèle aux travaux publics, l'exploitation de carrières, mais aussi la production de charges minérales donc, pour l'industrie agroalimentaire et pour l'alimentation animale. Voilà. Et donc, on fait la préfabrication béton. Voilà. Donc, on a réorganisé le groupe en développant toutes ces activités-là. Sauf qu'on est des gros consommateurs d'eau quand on fait du béton. Et donc, il y a une dizaine d'années, je me suis dit, un jour, il faudra être autonome en eau, en énergie. Voilà. Ça a été un peu ce déclic. Et je me suis dit, donc, quand on a déplacé notre siège social, on a décidé de créer un lac, une réserve d'eau, où on a capté toutes les eaux des toits, des parkings, pour garder cette eau. Donc on a fait un lac de 27 000 m3 sur notre site pour être autonome en eau. Alors c'est vrai que le syndicat des eaux, quand on l'a monté, n'était pas très content parce que la facture, bien sûr, on ne l'avait plus. Mais moi, j'étais assez fier de ça. Certains salariés se sont posé beaucoup de questions quand on a créé cette réserve d'eau. Et on l'a fait l'a dupliqué sur d'autres sites. Donc aujourd'hui, ça nous a donné raison. Voilà. Après, derrière, sur les énergies renouvelables, donc toujours pareil dans cette politique de se dire un jour il faudra être indépendant. Au niveau électricité, donc on a créé 4 microcentrales. Donc aujourd'hui, on consomme nous 3 200 000 kWh et on en produit 7 millions. Voilà. Donc on est excédentaire. Alors le jeu des contrats de rachat EDF, bon, ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais je pense que dans 10 ans, dans 20 ans, d'avoir anticipé comme ça, peut-être ça donnera raison à l'entreprise. C'est ce que j'espère. Voilà. Après, ce que je voudrais, c'est remercier quand même le parc parce que, bon, c'est vrai qu'ils sont venus nous voir et on a mis en place certaines choses. C'est pareil sur l'autopartage. Alors ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui commence. C'est-à-dire qu'on a mis donc à disposition une voiture de nos salariés dans la journée et au travers de Cities, donc, elle est mise à disposition donc, le week-end et aussi donc, le soir aux personnes de Millau et des environs. Voilà. Mais ce que je voudrais dire aussi, culturellement, si on a essayé de mettre en place ce covoiturage avec cette voiture, c'est pas gagné. Alors, Florentaris me faisait un clin d'œil en me disant « c'est parce qu'il n'y en a pas assez de voitures ». Donc j'ai compris le message. Mais je dirais que c'est aujourd'hui les nouvelles générations le pratiquent bien, les anciennes ont du mal. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on constate au niveau de l'entreprise. Et le dernier point, si vous voulez, on produit des palettes. Donc comme nos produits béton sont sur des palettes, on a des palettes qui sont usagées, bien sûr, qui sont en fin de vie. Et ce qu'on fait, on les broie et on a monté une chaudière au bois au niveau du siège. Et là aussi, on est autonome en chaleur pour le siège. Voilà. Oui, c'est important puisque la plupart d'entre vous vont participer à un certain nombre de visites en fin de journée. Et
Marc Sévigné, à travers son entreprise, est très souvent le partenaire de nos démarches. La société d'économie mixte Cosenergia, dont vous allez, certains vont aller visiter les réseaux de chaleur, cette société, il est rentré au capital pour soutenir l'opération. Et c'est avec lui qu'on a... Enfin, c'est lui d'abord, mais on a essayé d'être à ses côtés, avec l'ADEME également, pour le recyclage des boîtes palettes. Donc, c'est-à-dire que l'action que porte le parc, vous savez, le parc seul, c'est à peu près rien du tout, sauf quand tout le monde se met à pousser dans le même sens, et l'entreprise de Marc Sévigné a apporté. Et quand on a souhaité lancer l'autopartage, ben, il a de suite levé la main, il a dit ben, « moi, je viens avec vous ». Donc ça, c'est important, c'est pour dire que ça va au-delà du bilan comptable de l'entreprise. Ça, c'est sur le bilan du territoire, c'est important de le noter, je pense. Autre élément, Jean-Pierre, quand on a voté notre territoire énergie positive, on s'est fixé des objectifs. Et parmi les objectifs que l'on avait, certains nous ont raillé là-dessus, c'est qu'on voulait faire l'AOP à énergie positive. C'est-à-dire que le Roquefort soit la première AOP à énergie positive dans le schéma. Donc ça veut dire qu'à un moment, on vous a titillé, mais vous n'avez pas fait que nous attendre pour réfléchir à la question. J'aimerais savoir, société, ou plus gros, globalement les AOP de Lactalis, vous êtes rentré dans cette réflexion. Alors tout à fait, c'est vrai que je représente ici Lactalis AOP et Terroir, qui est une division du groupe Lactalis, qui est le leader mondial du lait, et qui est un groupe français basé en province à Laval. On est très présent sur le territoire et historiquement avec Société, mais aussi Salakis, Loupérac. Et on est implanté, je vis à Millau, et les équipes, le siège de cette division est basé à Roquefort. Donc on emploie environ 1800 personnes sur l'Occitanie et le territoire. On a plusieurs sites répartis sur le département. Bien sûr, notre produit emblématique, c'est le Roquefort. Donc on est un groupe agroalimentaire. Donc l'énergie, ce n'est pas notre culture de base. On est plus protéines que boulons, on est plus agriculteur qu'énergéticien. Mais c'est un sujet qu'on aborde. On a eu trois temps, je l'analyserai comme ça, et quand on remonte dans l'histoire de Roquefort, et ça remonte très loin, il y a eu un temps où l'énergie, je pense, ça a été un bienfait. Avec l'électrification, les machines à traire, la pénibilité, la qualité du travail, le froid, ça n'a été qu'un bienfait. Et je pense que nos anciens l'ont vécu comme ça. Dans ma génération, ça a été peut-être un peu différent. Alors, je vais entendre des OK boomers. Ça a été un coup. C'est-à-dire que l'énergie était disponible, on l'avait. Il n'y avait pas de problème, elle était accessible. Et on a juste cherché à l'optimiser. Et le groupe a cherché à l'optimiser. L'industrie laitière l'a optimisé. C'est un coût faible. Hein, c'est de l'ordre de 2% dans le coût de fabrication d'un Roquefort. Donc c'est bas. Ça peut être plus. Hein, quand on fait du séchage comme à Rodez, où on a un site qui fait de la poudre, ça peut monter à 8%. Mais ça reste faible et je dirais l'énergie est pour ça presque pas assez chère. Donc on l'a optimisé et en bon paysan, entre guillemets, on a toujours cherché à la gérer, pas la dépenser inutilement. On avait dans le Roquefort de gros avantages, c'est un produit au lait cru, donc on ne le chauffe pas, c'est déjà un gros gros point, donc c'est bien. Et puis surtout on a une machine de froid qui est époustouflante, c'est le Combaloup, qui est au-dessus de nous à Roquefort et qui nous livre un air froid et à l'hygrométrie voulue parfaite. Et ces temps ont changé depuis, je dirais, peut-être une dizaine d'années. L'énergie est plus vue de cette façon. C'est plus tout à fait un bienfait, même si ça l'est dans les faits. C'est plus une source d'optimisation, parce qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait, mais c'est une menace. C'est une menace, et c'est pour ça qu'on parle de transition écologique, et on se pose beaucoup de questions. Donc nous, c'est des sujets que l'on a abordés au niveau société, où c'est même au-delà de l'énergie, c'est une dimension sociétale et environnementale qui est attendue. Donc on le ressent très très fort de la part des consommateurs, on le sent dans la société, je le ressens personnellement tous les jours dans ma famille, à Millau, on sent ça. C'est voulu par nos clients distributeurs, et c'est aussi, et ça c'est fort également, c'est nos salariés. Aujourd'hui, j'ai encore fait il y a 15 jours un entretien avec une personne, elle me demande mais c'est quoi l'énergie, c'est quoi la politique environnementale. C'est des questions que je n'avais pas il y a 15 ans, il faut pouvoir y répondre. Donc là-dessus, on a une démarche, on s'appuie sur des piliers, les hommes et les territoires, les produits et les terroirs, et la nature et ses ressources. Donc ce sont les trois piliers que l'on a de notre politique. Donc on travaille fortement là-dessus, je ne sais pas si on y reviendra après, on a engagé beaucoup de projets. Donc on a des projets autour du froid, on a fait un programme d'une dizaine de millions d'euros sur nos usines, où on a... remplacer tous les systèmes de production de froid en supprimant les gaz à effet de serre et en renforçant toutes les récupérations d'énergie
Quand on fait du froid, on fait du chaud, et on a besoin du froid et chaud, et on récupère. On a travaillé sur beaucoup de choses. On a du coup même changé des chaudières, puisqu'on n'avait plus besoin de chaudières aussi grosses, puisque l'énergie était récupérée. On a travaillé sur du photovoltaïque. On va démarrer un projet sur le Masgrau, qui est en Lozère, où on va utiliser le photovoltaïque pour couvrir de l'ordre de 12% du besoin d'énergie du site. Et en même temps, on va faire des ombrières pour les voitures du personnel. Et tout ça dans un an. On va l'intégrer dans l'environnement et que ça soit pas une nuisance visuelle, et le site le permet. Donc voilà, on a des chaudières. Oui, j'aimerais que, parce qu'on parle d'objectifs avec des mots, mais ce qui est intéressant pour tous les trois, c'est des actes concrets à un moment qu'on peut engager. Et je voudrais, Jean-Pierre, qu'on rebondisse. On a une première rencontre, puisque Jean-Pierre est arrivé fin 2018, je crois. D'Italie. D'Italie. On se rencontre et je fais un peu mon commercial de base en expliquant que le territoire veut aller vers la transition écologique, veut être un territoire à énergie positive et qu'on rêve d'avoir l'AOP à énergie positive. Et à ce moment-là, il m'appelle. Le premier appel, c'était en plein confinement. Et les équipes du parc, que tout le monde remercie depuis tout à l'heure pour l'organisation, mais avant d'être des organisateurs, où on fera le bilan vendredi, je suis sûr qu'il sera bon, mais on fera le bilan vendredi, avant d'être des organisateurs, ils sont développeurs, et vous nous avez ouvert vos portes, et on a plongé dans tous vos chiffres, dans tous vos process, pour essayer d'imaginer quelque chose qui n'était pas proposer une solution commerciale, puisqu'on n'avait rien à vendre, mais proposer une solution de progrès. Donc c'est intéressant que vous l'évoquiez. Alors, tout à fait. Donc, assez rapidement, et c'était le confinement, j'ai été confronté à une problématique qui était une problématique de chauffage, donc toute basique, sur le village de Roquefort. Le village de Roquefort, c'est 300 personnes, mais c'est plus de 500 salariés qui s'y rendent tous les jours. Et nous, on a des bureaux, on a nos services marketing, commerciaux, compta, on a vraiment toute nos structures, on a des menuisiers, on a tout ça. Et ces gens-là sont répartis sur le village, dans divers bâtiments. Pour ceux qui connaissent la configuration du village, on occupe quasiment du haut au bas du village différentes maisons. On a aussi un parc locatif important. Et pour gérer ça, on a une dizaine de chaudières. Chaudière fuel, et j'ai une chaudière fuel qui a lâché. Et j'ai regardé l'âge des autres chaudières fuel et la perspective du fuel. Et là, j'avais un vrai souci, c'est qu'est-ce que je fais ? Alors, le plus simple, c'était d'acheter une nouvelle chaudière. J'avais eu un échange avec le parc des Grands Causses où j'avais perçu cette dimension énergétique. Donc c'est vrai que j'ai pris mon téléphone pour essayer de savoir s'il y avait des spécialistes qui pouvaient venir en toute impartialité et surtout avec une vision, je veux dire, environnementale forte. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas adressé à des fournisseurs classiques, il me paraissait pertinent. Donc on a Alexandre Feuillon qui a déjà été cité, et Lucas Perrotte que l'on a rencontré. Donc ils nous ont parlé de différentes choses, on leur a demandé de nous d'étudier, donc ils ont étudié un petit peu le solaire. Donc le solaire à Roquefort, le Combaloux fait du froid mais il ne laisse pas passer beaucoup de soleil sur le village, donc c'était difficile. On a étudié les pompes à chaleur, ça ne marchait pas très bien. On avait l'électricité et le fuel qui étaient des solutions faciles et simples, et ils nous ont parlé du bois avec une installation qu'ils ont chez eux, qu'on est venu voir. On a commencé à se dire, mais tiens, une chaudière bois, plusieurs, un réseau. Ils nous ont parlé de la densité énergétique et de fichu ratio de kilomètres par mètre linéaire et par an. On rentrait dans les calculs et on s'est dit, bon, c'est bien, on va reprendre la main et puis on va faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on va traiter nos problèmes à l'interne. Et il y a quand même quelque chose qui... Ils nous ont titillés, ils nous ont bousculés, ils nous ont dit, mais attendez, vous allez le faire pour vous, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à... À partir du moment où on fait un tuyau qui traverse le village, à le partager avec d'autres. Alors, nous partager avec des concurrents, même si historiquement on est très proches et on a le Roquefort qui nous réunit, ce n'est pas notre première pensée. Ils nous ont dit, mais il y a la collectivité aussi, il y a des salles de classe. Donc là, ça nous a ouvert et on a fait quelque chose qu'on ne pensait pas faire. On s'est dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas jouer quelque chose de collectif ? Ça s'est joué de multiples fois, mais ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait dans l'histoire de Roquefort. On a créé des bus de ramassage du personnel qui tournent encore, on a un restaurant d'entreprise, on a une station d'épuration que l'on gère, nous, mais qui est partagée avec tout le village et tous les exploitants, enfin tous les fabricants autres de Roquefort. Et on a fait ce projet. Et donc le parc nous a fait sortir de notre raisonnement. Et aujourd'hui, ils ont contacté la mairie, donc... je dirais un petit peu d'initiateur ou de déclencheur avec le parc, parce que c'est eux qui nous ont amenés à ça.
La commune a repris le projet et il y a des réunions qui sont en cours, il y a un projet qui s'ouvre, on en est un acteur, on n'est plus le porteur, mais on veut être un acteur mobilisé, on a des terrains, on peut les mettre à disposition, on a des besoins, on peut les fournir. Et donc là, pour nous, c'était une nouvelle expérience où on va faire une transition et arrêter ce fuel. Arrêter, c'est plus de 200 000 litres de fuel tous les ans qu'on consomme pour le chauffage. Ça n'empêchera pas l'isolation, ça n'empêchera pas des projets d'amélioration que l'on fera. Mais si on pouvait avoir une chaudière bois, je l'appelle de tous mes voeux, et qu'on puisse la partager avec la communauté, on en serait d'une immense fierté. Voilà, donc aujourd'hui, la traduction, c'est qu'on a accompagné la commune de Roquefort, qui a choisi un AMO et qui aujourd'hui travaille sur le lancement d'une future délégation de service public d'un réseau de chaleur dans lequel, sans l'apport de société, les équilibres généraux ne sont pas possibles. Mais par contre, l'apport de société va permettre d'équilibrer un projet sur lequel des plus petits faiseurs, entre guillemets, pourront venir se raccrocher et bénéficier. Et donc du coup, nous, on est dans notre démarche de territoire, d'avoir l'AOP qui devient énergie positive. Et le combat loup est content parce que cet été, il nous a fait du froid. Voilà. Emmanuel, peut-être évoquer quelques projets plus particuliers ou plus précis dans le déroulé. Pour en revenir au début, quand j'ai appelé Florent la première fois pour parler de développement, j'ai dit, je voudrais construire une centrale photovoltaïque de 5 MW à côté du viaduc. Et il m'a dit, écoute, ça ne va pas être possible. Le PLU, il ne permet pas de faire ça si proche du viaduc pour des problématiques de co-visibilité. Mais par contre, effectivement, on peut t'aider à travailler sur tes consommations d'énergie et voir comment on peut, par le photovoltaïque, te permettre de passer à énergie positive. Ce que je voudrais dire, c'est... Bon, on a des débats sur les autoroutes en France qui sont un peu tristounées. Ce que je voudrais dire, c'est que... Le groupe FH, via les autoroutes, on va tous être neutres en énergie très prochainement et on va accompagner la mobilité. Notre vrai souci dans nos métiers autoroutiers, c'est que le bilan carbone, c'est pas nous qui le produisons, c'est les utilisateurs de l'autoroute. Et ce qu'il faut qu'on fasse, c'est d'accompagner les clients pour que leur favoriser leur transition énergétique. C'est vrai qu'aujourd'hui, la difficulté quand vous circulez en véhicule électrique, c'est de recharger votre véhicule. Et aujourd'hui, les aires autoroutières ne sont pas suffisamment équipées pour vous permettre de faire un Paris-Lyon ou un Paris-Marseille dans de bonnes conditions. Et ici, à Millau, on va aussi... participer à cela en permettant aux utilisateurs de l'autoroute, d'une part, de passer un bon moment sur l'air. Et nous, on considère que l'air du viaduc de Millau, c'est la plus belle aire de France. Et donc, les gens passent forcément un bon moment, mais aussi... Demain, ils jugeront sur pièce. Hein. Oui, je pense que vous aurez l'occasion d'y passer un petit moment. Et puis, de faire en sorte que quand ils profitent et du viaduc et de découvrir l'Aveyron, et de découvrir Millau, ils puissent recharger leur véhicule et continuer leur voyage pour partir souvent en vacances un peu plus au sud. La difficulté pour nous, c'est peut-être de convaincre nos salariés, parce qu'en fait, dans le monde autoroutier, on aime bien les bagnoles en général, c'est un peu culturel. Et c'est vrai que de demander aujourd'hui à nos salariés d'abandonner leur véhicule de fonction diesel qui font 160 ou 180 chevaux pour rouler en électrique ou en hybride de faire des pauses comme il faut, de recharger leur véhicule, c'est vrai que pour nous, parce que les gens qui viennent travailler sur les autoroutes,
en tout cas les anciens, ils venaient aussi parce qu'ils aimaient les voitures. C'est une transition importante pour nous. Mais on va travailler sur tous ces sujets, y compris faire des plantations sur les puits de carbone, pour capter du carbone. On va faire beaucoup, beaucoup de choses, y compris à Millau. En tout cas, la compagnie FH du Viaduc de Millau sera exemplaire sur son bilan carbone au sein du monde autoroutier. Vous l'avez compris, notre objectif, c'est qu'on puisse afficher demain un territoire à énergie positive qui passe par un viaduc à énergie positive, par une AOP à énergie positive. Et on essaie de décliner ce concept un petit peu sur tous les process. Marc, tu as déjà dévoilé quelques actions, tu as esquissé, donc j'aimerais que tu enclenches sur une action qui t'a particulièrement marqué qui a marqué l'entreprise. De manière concrète, comment on passe d'un modèle à un autre sur des sujets essentiels. Alors, actuellement, on est en réflexion. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise Sévigné donc, a une flotte de camions importante, une flotte captive, c'est-à-dire qu'on tourne dans un rayon de 300 km. Donc, on peut se permettre de réapprovisionner nos camions en carburant depuis notre siège. Donc, ça, c'est une facilité, on va dire, au niveau de la gestion. Par contre, quand on creuse un peu au niveau de la motorisation des camions, au niveau de la motorisation des engins, tout ça aujourd'hui, ce n'est pas abouti. Et même si on a la volonté de passer sur du biocarburant ou sur du gaz ou sur de l'hydrogène, aujourd'hui, on n'y est pas. Mais je pense qu'il faut se mettre en ordre de marche et pousser les fabricants de matériel et les motoristes à développer ça, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut le faire rapidement. Et j'espère que le matériel va évoluer rapidement. On a essayé une petite pelle, une mini-pelle, vous savez, pour travailler en ville, électrique. Alors, je vous dis, de suite, ça a été le frein, parce que 2 heures d'autonomie, parce que où est-ce qu'on recharge. De toute façon, si on ne veut pas faire, on trouvera bien tous les arguments, c'est clair. Bon, moi, je dis, chez moi, en interne, il faut qu'on fasse le maximum. Après, derrière, il y a des petites choses. On voit bien que c'est encore culturel, c'est difficile. On consomme 35 000 bouteilles d'eau plastique dans l'entreprise, puisque vous êtes obligé de fournir l'eau aux salariés. Et donc, il y a un an, on a décidé d'acheter des gourdes et de supprimer les bouteilles plastiques. Voilà. Il y a eu une petite révolution. Et puis, finalement, tout s'est bien passé, parce qu'on a acheté des gourdes en France. On l'a marqué à chaque salarié. Finalement, bon, on s'est dit il y a d'autres choses qui peuvent être faites. Bon, je reste persuadé que c'est la culture d'entreprise. Après, sur les embauches, tout à l'heure, tu en as parlé, au niveau de la RSE, quand on reçoit des nouvelles générations, quand on fait des entretiens d'embauche, c'est clair qu'aujourd'hui, ça, il faut qu'on en parle, nous. D'ailleurs, on est questionné par les jeunes. Il n'y a pas que ce qu'ils vont faire, il y a la culture de l'entreprise, voilà. Et ça, je pense que, bon... Et en plus, on habite dans un beau territoire, donc je pense qu'il faut aussi ça aussi le vendre. Quoi, voilà. Il y a un sujet que tu as peu ou pas évoqué et qui fait écho. Demain soir, avec l'ADEME, on va signer symboliquement... c'est ce soir, pardon. Ce soir à 20h, donc pour éviter le 20h de TF1. Par contre, il y aura la signature du COT entre le parc et l'ADEME, dont un des axes forts, c'est l'économie circulaire. Et ton entreprise en particulier a montré la voie. Alors j'ai évoqué les palettes tout à l'heure dans les réseaux, mais plus globalement, c'est quelque chose que tu as essayé d'insérer et d'instiller dans toute l'activité de l'entreprise. Voilà, c'est sur... on a monté une plateforme bois donc, basée à Saint-Rome-de-Tarn donc, pour récupérer tout le bois donc, qu'on pouvait couper sur les chantiers, donc le récupérer à Saint-Rome-de-Tarn, le broyer, et pouvoir livrer... des chaudières. On a été accompagné pour ça par l'ADEME, on a été accompagné aussi par la région. Donc c'est un démarrage d'activité pour nous, donc c'est une nouvelle activité. Et le recyclage du bois palette, alors palette bien sûr non traitée, donc on accueille toutes les palettes, donc les gens les amènent et on retraite ces palettes en les broyant. Nos équipes ont mis au point un système pour enlever les pointes des palettes, parce que bon, mais ça, on a la chance aussi d'avoir en interne un atelier avec des gens qui savent tout faire, je dirais. Et chaque fois qu'on va les voir parce qu'on a un problème, ils ont toujours une solution. C'est le côté agréable d'une entreprise comme la nôtre.
Voilà. Alors, vous avez vu, chaque entreprise, à sa manière et dans son champ d'intervention, essaie d'accompagner. Enfin, j'ai envie de dire ça pompeusement, vous essayez de vous insérer dans la dynamique du territoire énergie positive que le parc porte et anime. Mais ça, c'est. Je reprendrai l'intervention de tout à l'heure où on parlait du monde des bisounours, donc on essaie de tous faire mieux et bien. Et pourtant, je pourrais vous faire une après-midi entière sur toutes les difficultés que l'on rencontre au quotidien pour y arriver. Donc j'imagine que les entreprises ne passent pas à côté de ces difficultés. Donc je ne sais pas, Jean-Pierre, peut-être évoquer un petit peu les... Maintenant, José, tout à l'heure, a dit rien n'a bougé, sauf sur les territoires. Donc on prouve qu'on bouge tous ensemble. Mais il faut aller plus loin, plus vite, plus fort, pour reprendre la célèbre citation. Donc, quels sont les blocages ou les freins qui va falloir qu'on bouscule dans les mois, années à venir pour aller plus vite ? Alors, c'est à la fois, c'est difficile de parler de blocage et de frein, parce que parfois, c'est un blocage. Je parlais du prix tout à l'heure, ça peut être un blocage, mais ça peut être aussi une opportunité. Une énergie plus chère, c'est aussi, ça peut bousculer une entreprise et l'obliger à réagir et à trouver une autre solution. La question est difficile. Ce qu'on a besoin, c'est une certaine vision, une continuité dans la vision. C'est vrai qu'il y a plein d'évolutions techniques, technologiques. Quand on n'est pas un spécialiste du métier, ça peut être compliqué. On a parlé sur les flottes de véhicules, c'est quoi le choix aujourd'hui ? Tout à l'heure, j'entendais électrique, pas sûr. Donc il faut qu'on arrive à avoir une vision plus claire possible, et surtout de la perspective des entreprises. Nous, on est une entreprise, on est présent sur le territoire depuis des dizaines d'années, et le Roquefort depuis des centaines d'années. On ne se projette pas sur l'année prochaine, on se projette sur les 50 ans, les 100 ans qui viennent. On a besoin de cette continuité, donc c'est une continuité technique, une continuité fiscale, une continuité politique. Il ne faut pas que ça change tous les jours, il faut qu'il y ait de la vision, il faut qu'il y ait de l'échange, il faut qu'on ait confiance dans les entreprises du territoire. Il faut qu'on ait des moments comme celui-là où on peut parler, où on peut se rendre compte qu'on a des problématiques. Et l'exemple que j'ai donné avec le parc des Grands Causses, dans la discussion, dans l'échange, on arrive à des évolutions. Donc il faut ça. Il faut de la confiance. Il faut de la confiance dans l'industrie. Moi, je suis un industriel, mais quand je suis chez moi, je suis un citoyen. Et l'industrie, j'ai beaucoup de plaisir à travailler, à fabriquer du Roquefort. Et on a beaucoup de plaisir à faire évoluer. Ça restera. Alors il faut accélérer, ça, j'en suis conscient. José l'a dit tout à l'heure, ça n'a peut-être pas bougé assez. Mais c'est des thématiques très compliquées. Et bouger parfois précipitamment, c'est aussi mettre en péril ou aller sur de mauvaises solutions. Donc aujourd'hui, on en sait beaucoup plus. On en a les moyens. On bouge. Sincèrement, nous, on bouge. Moi, je ne vois pas la même entreprise de celle où j'ai débuté il y a 40 ans et même il y a 5 ans. Et j'espère que dans 5 ans, on continuera dans cette dynamique. Mais donc, de la confiance, de la constance, de l'envie, un peu de passion... C'est pour moi les ingrédients qui vont faire que ça va marcher. Ça a toujours marché, ça marchera encore. Par contre, il ne faut pas continuer. Il ne faut pas continuer les mauvaises pratiques qu'on a pu avoir et savoir les bousculer. Il faut les deux. Quoi. Emmanuel, est-ce que le seul prix des la baisse du prix des Tesla peut sauver... Non, mais c'est sûr que le développement des véhicules électriques... De toute façon, en 2035, il n'y a plus de thermique. Donc il faut bien qu'on s'adapte. Après, je ne suis pas sûr que l'électrique soit la solution finale. Je pense qu'il va falloir qu'on trouve d'autres systèmes parce qu'il faut l'électricité, il va quand même falloir la produire. Aujourd'hui, raccorder toutes les aires des réseaux autoroutiers à un réseau EDF pour alimenter en énergie très haute puissance des bornes pour recharger en 20 minutes 80% de la batterie d'une voiture, aujourd'hui, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les EDF a du mal à nous fournir partout une énergie, et puis après donc il y a l'énergie qui est produite, est-ce qu'elle est bien produite, on va le dire comme ça, et puis après si tous les véhicules aujourd'hui passent électriques avec des batteries, est-ce qu'on saura
Est-ce qu'on saura retraiter ces batteries correctement, alors qu'il y a d'autres solutions comme la pile à hydrogène? Le viaduc est moins optimiste que le Roquefort. Non, on est très optimiste, mais on voit bien que, que je pense que tout le monde dans la salle a une voiture. Aujourd'hui, une voiture, elle a une autonomie de 800 km en diesel. Demain, aujourd'hui, les meilleures voitures qu'on trouve sur le marché, elles sont à 400. Et encore, quand on n'appuie pas trop sur l'accélérateur. Il y a un gros changement sur la mobilité individuelle. Et alors nous, ça nous inquiète pas, mais il faut qu'on l'accompagne. Et voilà, malgré tout, l'exigence, les réseaux autoroutiers, ils vont pas s'arrêter demain matin. Et les utilisateurs, ils vont attendre un service à la hauteur des véhicules qu'on va leur proposer. Et donc, il faut vraiment qu'on travaille sur ces sujets. Mais avec une électricité propre. C'est un petit peu ce que disait Marc, la dépendance au constructeur qui fait que vous êtes dans une étape à devoir vous adapter et vous ne savez pas trop sur quel pied danser pour le moment, quoi. Oui, et puis on voit bien que dans le territoire ici, si on enlève la voiture, on a bien vu les réactions sur le 80 km/h. S'il n'y a plus de voitures dans les territoires comme les Grands Causses, ça pose vraiment des difficultés. Oui. Marc, tu as déjà engagé plein de choses. Oui. Tu as dit dans 10 ans, il faudra qu'on soit encore meilleur. Donc, Moi, c'est avec l'aide des donneurs d'ordre qu'on peut être meilleur. Parce que juste une petite observation. Je crois qu'il y a quelques élus dans la salle. Il y a peut-être des maîtres d'œuvre. Quand on traite des appels d'offres publics, donc des marchés publics, on ne nous demande jamais de bilan carbone. C'est très rare. Nous, on traite, dans l'activité TP, on traite 600 dossiers d'appels d'offres, marchés publics. Je crois qu'on en a 10 où il a fallu produire un bilan carbone. Je pense que derrière, si on était dans l'attribution des marchés publics, il y avait une reconnaissance sur cela, je pense que ça marcherait. Voilà. Et ça, on a du mal à le voir arriver. Alors, est-ce qu'on l'a vu arriver à un moment donné, et puis c'était tellement compliqué pour les entreprises, pour les maîtres d'œuvre et pour les élus, qu'on a abandonné. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir rapidement à ça pour qu'on engage un peu les entreprises sur cette démarche? Ça, c'est, moi, ça me paraît important. Alors, je parle des marchés publics, mais il y a quand même des privés qui, aujourd'hui, quand même, demandent des mémoires techniques sur lesquelles on doit dire un peu ce qu'on fait en termes de RSE, quoi. Donc, ça existe aussi chez le privé. Il y a cette démarche. Ça me paraît important. Et au mois de novembre, il y a une petite initiative sur la communauté de communes. Donc, il y a visite d'entreprise, donc. Une sorte de tourisme industriel qui a été initié, je crois, par la JCE et l'Office du tourisme. Donc, on va y participer. Moi, je gère 16 ICPE, installations classées pour l'environnement. J'ai eu quelques moments de solitude au moment des enquêtes publiques où, là, on s'est fait laminer sur certains projets par peut-être des gens à qui on n'avait pas expliqué exactement ce qu'on voulait faire. Par des enquêtes publiques où c'est vrai qu'on ouvre un dossier où peut-être que tout le monde ne connaît pas ou ne maîtrise pas toutes les techniques. Voilà. Donc ce que je me dis, c'est que peut-être ce tourisme industriel, pour nous, ça sera une façon aussi de communiquer, d'expliquer ce qu'on vient d'expliquer là, mais de l'expliquer sur le terrain, quoi, que les gens se rendent bien compte de ce qu'on fait avec l'eau, avec l'électricité, notre façon de gérer, l'optimisation des transports. Voilà. Et ça, je pense que c'est... On est des entrepreneurs, on n'est peut-être pas les meilleurs pour communiquer, voilà. Je crois que ça aussi, il faut... Peut-être alors, chez certains, ils sont meilleurs que nous, mais moi, je sais que ça a été... C'est la faiblesse de l'entreprise. C'est de pouvoir expliquer aux gens tout ce qu'on fait. Voilà. OK. Donc, je crois qu'il y a quelques réactions qui vont susciter d'éventuelles réponses de votre part. Alors, j'en prends une au pif. Bonjour. À quand et comment la sortie du béton? Voilà, en gros, on va abandonner le béton. Alors, jamais. Quand? Non, moi, c'est quand?
Alors quand non, moi je pense qu'on ne sortira pas du béton puisqu'on parlait d'éoliennes. Donc si on arrive à abroger cette histoire de radar, là, mais je pense qu'il y a des gens dans la salle qui vont s'en occuper, il faudra faire des éoliennes. On fera des éoliennes, mais le socle des éoliennes sera en béton, en fer. Donc bon, je pense qu'on va continuer à faire du béton. Peut-être qu'on va le faire autrement. Peut-être qu'on va changer les formulations. Peut-être que la fabrication des ciments va faire appel à du CSR, combustible solide de récupération dans les cimenteries. Peut-être que les cimentiers vont aussi évoluer sur leur façon de produire le ciment. Voilà. Mais dire aujourd'hui à quand la fin du béton, moi je dis non. Alors, excusez-moi, mais c'est mon métier et je ne vois pas à quand on va arrêter de faire du béton. Je vois qu'il y a une question, c'est... alors, hop, hop. C'est quel est le bilan... Alors, je laisse répondre à Jean-Pierre, mais j'amènerai une petite réponse. C'est quel est le bilan carbone de la production du roquefort ? Avez-vous étudié la possibilité de produire du roquefort végétal et fait la comparaison environnementale ? Donc, je te laisse réfléchir, je vais parler, comme ça, tu as le temps de réfléchir. Oui, je dois répondre, je dois répondre. ce qui est important que vous sachiez, c'est quand le territoire des Grands Causses s'est doté... vous savez que nous, on a voulu on a une stratégie totalement intégrée, c'est-à-dire que nos documents d'urbanisme, PLUI, notre SCOT, notre PCAT disent tous la même chose sur ces questions-là. Et à un moment, il y a un certain nombre d'éléments qu'on a actés. Emmanuel, par exemple, a évoqué qu'on est un territoire très rural, 320 000 hectares, moins de 19 habitants au kilomètre carré, avec la moyenne de Millau qui est à plus de 100, donc sinon on tombe à 12 habitants au kilomètre carré. Comme on veut des habitants partout, on a acté qu'on serait mauvais sur le transport. On a dit qu'on allait faire du mieux possible, mais qu'à la fin, on ne serait jamais très très fort là-dessus, parce que les gens, il y avait des dépendances. Voilà. Alors on imagine plein de solutions alternatives, mais on sait qu'on ne sera jamais très fort là-dessus. Et sur le bilan CO2, on a aussi acté qu'on ne serait jamais très bon, parce qu'on a 1 million de brebis. 1 million de brebis qui façonnent nos paysages, qui font notre biodiversité, qui entretiennent nos pelouses, mais qui font du méthane. Et c'est un peu plus d'un quart de la production de CO2 du territoire. C'est presque la moitié du CO2 du territoire, c'est le troupeau de brebis. Mais dans la même... Et donc on a acté que sur ces postes-là, on serait pas forcément très bon, quand on se comparerait. Et donc du coup, il fallait qu'on soit excellentissime sur d'autres sujets pour comparer nos points faibles. Donc c'est toutes les filières qu'on a évoquées. Et un autre fil rouge que l'on a voulu et qui a un aspect à la fois économique, environnemental et sociétal, c'est qu'on a acté dans nos documents d'urbanisme le cahier des charges de l'AOP. Dès qu'il fait beau, on sort les brebis. Donc du coup, c'est l'entretien de nos paysages et de notre biodiversité. On maintient le lait cru. Donc du coup, ça évite un certain... Alors ça agace, les industriels s'arrachent les cheveux avec les enjeux de lait cru, mais derrière, c'est toute une dynamique de territoire, etc. Donc, je vais te laisser répondre. Si vous avez étudié, je ne le sais pas. Mais quelque part, le territoire dans son ensemble n'a pas demandé ça. Alors, il faudrait donner le nom de la personne à José Bové pour qu'il lui réponde directement sur le roquefort végétal, parce que je pense que bon, on n'en fera pas, ça n'existera pas. Sur le bilan carbone, on a travaillé sur ce sujet, on est en phase de constitution de dossier, on n'a pas de chiffres aujourd'hui, mais on est en train de l'élaborer, on espère de l'avoir prochainement. Mais c'est vrai que ça reste, et tu l'as dit, par ces gènes, c'est quand même une production qui est naturelle et qui n'est pas une production où il y a une consommation d'énergie, même si on fait des volumes importants. On collecte le lait à proximité des usines qui le transforment. Nos usines, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est du lait cru. Elles sont assez optimisées. Dans le village, l'affinage se fait en cave naturelle, donc avec l'air du combalou. Par contre, il y a encore des travaux à faire, hein, sur les emballages. Ça, c'est un gros enjeu que l'on a. Comment distribuer le produit à nos consommateurs et tout le service qui va avec. Donc ça, c'est compliqué parce que les consommateurs ont... Son duel, hein, comme les salariés, c'est-à-dire que d'un côté, bah, ils voudraient des produits écologiques, mais de l'autre côté, ils veulent un roquefort qui soit dans une petite boîte, qui ne sente pas trop et qui ne poisse pas les mains quand on le consomme. Et quand on leur propose des emballages plus écologiques, et, bah, c'est un refus, c'est-à-dire qu'ils arrêtent l'acte d'achat. Et nous, on n'a pas du tout volonté
d'arrêter l'acte d'achat de Roquefort parce que c'est chez nous, c'est notre territoire, c'est nos productions, ce sont nos salariés. On ne veut pas du tout voir d'autres produits s'installer. Et ces mêmes consommateurs peuvent ensuite acheter des produits d'Erzas de fromage qui, pour moi, n'ont pas du tout ni la même saveur, ni la même valeur, ni la même culture patrimoniale qu'il faut à tout prix préserver. Ok. Je vais donner un chiffre quand même qui va répondre partiellement à la question. Le cheptel de brebis et d'élevage génère un peu moins de 400 000 tonnes de CO2 sur le territoire. Et les prairies que le pastoralisme entretient en stockent un peu moins de 300 000. Voilà. C'est un des éléments. On m'avait fait jurer qu'à 16 heures, la table ronde serait terminée. Et contrairement à toutes les prévisions, on a tenu parole à moins d'une minute près. Donc je tiens vraiment à vous remercier d'être venu vous prêter au jeu des rencontres TEPOS. Merci, merci beaucoup à vous trois et merci Florent pour cette animation de table ronde. Alors, elle m'avait prévenu clairement. Je veux bien échanger avec d'autres chargés de mission énergie dans les territoires, mais il est hors de question que vous me fassiez témoigner sur scène devant un public. C'était il y a quelques mois, et il aura fallu l'énergie d'un groupe et la persévérance d'une animatrice agitatrice, on va dire, pour qu'elle change d'avis. Et donc Anne-Sophie Aignon, responsable du pôle transition territoire de l'Agence locale de l'énergie et du climat de l'Ardèche, merci de tenter le pari d'un témoignage vivant comme celui de Anne tout à l'heure. Bonjour à tous, et oui, effectivement, là, je suis morte de trouille. Donc ça doit se voir. Mais ce qui ne se voit pas, en fait, c'est que je suis en colère. En fait, je suis agacée. Je suis à la fois agacée, un peu triste et déçue. Et je me pose un tas de questions. En fait, donc, je m'appelle Anne-Sophie Aignon, j'ai 44 ans, je travaille à l'Agence locale de l'énergie du climat de l'Ardèche depuis maintenant 14 ans. En tant que chargée de mission planification énergétique, et depuis peu, je suis responsable du pôle transition et territoire. Pour refaire un peu l'histoire de ma vie, je suis née à Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais. Il y a des nordistes. Enfin, des Picards. Je suis issue de deux mondes complètement différents. Un papa issu des grandes familles bourgeoises du Nord, dont voilà, il avait 10 frères et sœurs. Les opinions politiques variaient de l'extrême gauche à l'extrême droite. Donc autant vous dire que les débats de famille, il y avait de la tension et les sujets étaient plutôt tabous. Du côté de ma mère, on est plutôt à gauche. J'avais une grand-mère, non pas féministe, mais voilà, qui disait que la femme, il fallait qu'elle travaille. Elle travaillait elle-même au PTT. Je ne sais pas, il y en a qui ne connaissent peut-être pas, mais c'est l'ancêtre de la Poste. Et mon grand-père, lui, vendait des engrais chimiques pour une coopérative agricole. Et oui, parce qu'à l'époque, il fallait nourrir la France d'après-guerre. Et lui, dans son potager, mettait rien du tout, mais voilà. Il mettait des engrais chimiques, enfin, il vendait en tout cas des engrais chimiques. Côté caractère, mon père est plutôt fleur bleue, un peu artiste, amoureux de la nature. Il nous transmet ces valeurs-là. Et ma mère est éducatrice spécialisée, plutôt dans le lien social. Elle aime faire la fête, elle aime le lien, les copains, la famille. Et elle est sensible aussi aux injustices de ce monde. Du coup, voilà, c'était le terreau qui était là pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand on me posait la question, quand j'étais petite, qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier ? Je voulais être présidente de la République. Je voulais être présidente de la République, comme ça j'allais faire en sorte qu'il n'y ait plus de guerre dans le monde et j'allais sauver la planète. Waouh ! Bon, je vous rassure, je ne suis pas candidate aux élections. Il y a assez à faire au niveau local, je crois, et voilà, je suis revenue un peu sur le métier, ou en tout cas la fonction de président. Je voulais être présidente et lors de mon adolescence, là, quand je relis des passages sur mes journaux intimes ou des choses comme ça, dans ces passages-là, il y a de longs passages sur ma colère vis-à-vis de l'homme, ma colère vis-à-vis de l'action qu'il peut avoir sur la nature,
sur la pollution marine, sur la déforestation, sur l'abandon des animaux. Ça, c'était quand j'étais encore plus petite. Et du coup, voilà, j'étais déjà sensibilisée au fait qu'il fallait que je sois utile. Je voulais monter des associations de protection de la nature. Je voulais faire plein de choses. Donc, décidée de ça, en seconde, je vais voir ma conseillère d'orientation et je lui dis, voilà, je voudrais travailler dans l'environnement. Et elle me dit, oulala, ma petite, l'environnement, c'est complètement bouché, c'est pas un métier d'avenir, ça. Ok, on est en 93. Là, du coup, je me dis, bah, de toute façon, c'est pas grave, j'ai envie de faire ça, donc j'y vais. Donc, je m'oriente sur un cursus universitaire, fac de bio, je vais jusqu'en DEA. Là, je rencontre des profs passionnés, passionnants, à la fois, j'étais sur l'UMINI, dans les Calanques, à Marseille, donc plutôt sur de la biologie marine. Ensuite, j'ai la chance, en licence, de rencontrer le professeur Francis Allais. Je ne sais pas si ça parle à des gens parmi vous. Donc, c'est un botaniste spécialisé sur les forêts tropicales. Et voilà, qui nous inculque vraiment sa passion des forêts et l'enjeu qu'il y a à protéger la biodiversité de cet écosystème. Et on décide avec des copains de partir le rejoindre sur une mission, la mission du radeau des Cimes. Au Gabon, je ne sais pas si vous connaissez le radeau des Cimes, cette espèce de grande toile, pas le toile d'araignée, mais une grande araignée qui se pose sur la canopée des arbres. Et c'est une mission scientifique. Et du coup, là, je me retrouve plongée au milieu de dizaines de scientifiques venus du monde entier étudier cette canopée, étudier cette biodiversité. Et là, je fais waouh, c'est génial. Et en même temps, ils sont là à la fois, ils nous diffusent leurs connaissances. Parce que moi, j'étais en tant que stagiaire. Hein. Et ils diffusent leurs connaissances et en même temps, ils sont là à dire, mais attention, sonnette d'alarme, il faut vous, cette nouvelle génération, là, il faut que vous bougiez parce que c'est en train de décliner. OK, je repars avec ça. Donc, je finis mon DEA. Donc, DEA, c'est un master 2, là, aujourd'hui. Il y a eu un peu de temps d'écoulé entre-temps. Je finis mon DEA et là je me sens pas très utile, j'avais envie de faire du terrain, d'être plus sur le terrain et plutôt en milieu associatif. Et là, waouh, finalement ma conseillère d'orientation n'avait pas complètement tort, j'ai plutôt galéré, surtout que j'étais plutôt sur les filières faune, flore, l'écologie, quoi. C'était pas évident, donc je passe de longues, presque années, hein, puisque c'est en 2007 que je me retrouve à Pôle Énergie, maintenant devenu ALEC. Du coup, aérer de CDD en CDD, hein, je fais éco-guide pour le parc naturel régional du Verdon, je coordonne les guides nature à un moment pour le département de l'Isère sur les espaces naturels sensibles, je bosse pour une association à Chamonix sur la vulgarisation des milieux de montagne, mais voilà, c'est des petits CDD par-ci, par-là, pas de chaussures à mon pied, j'envoie des lettres de motivation malgré toute la qualité de votre candidature, nous sommes au regret. J'imagine que vous connaissez ce genre de réponses. Des dizaines et des dizaines de lettres. Bref, à un moment, je décide, je me dis là, il faut que tu te poses. Et je fais un bilan de compétences. À Montélimar, je fais un bilan de compétences. Là, je rencontre une dame qui me remet sur les rails parce que j'avoue que j'étais un peu... c'est dur après 5 années où on galère quand même à trouver du boulot. Elle me remet sur les rails. Je rencontre des chargés de mission environnement dans les différentes collectivités, au sein des consulaires, etc. Et là, je me dis, il manque des cordes à mon arc. Donc, je décide d'aller faire une formation à l'ASDER. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait la formation à l'ASDER dans la salle, mais il y en a peut-être quelques-uns. L'ASDER, c'est l'Association Savoyarde pour le développement des énergies renouvelables, qui est un peu l'équivalent de l'ALEC, enfin, des ALEC en Savoie, et qui est également organisme de formation. Et là, c'est la claque. C'est la claque parce qu'on se retrouve à 45, donc on est en 2007, on est 45 personnes, issues de mondes professionnels complètement différents. On est tous venus là pour redonner du sens à notre vie professionnelle, amener de la valeur, enfin rechercher des valeurs. Et on participe à des dizaines d'interventions de bureaux d'études poussés comme Enertech avec Olivier Sidler, avec des gens de la CRIRAD, avec... des artisans super motivés, enthousiastes, avec des agents de collectivité, etc., etc. Avec, bien sûr, les salariés de l'ASDER aussi, qui, eux, nous partagent leur motivation, leur enthousiasme à exercer leur métier.
Et voilà, et là, c'est la claque, parce qu'en fait, en arrivant, tous, on se disait, il y a quelque chose à faire là-dedans. Mais plus on en apprenait, et plus on se disait, waouh, c'est quoi le combat qui a amené là? Il est super fort. Et on ne va pas être assez nombreux, et on prend vraiment conscience de l'ampleur de la tâche. Donc je repars de là et je me dis, ouais, c'est ça que je veux faire, je veux vraiment bosser, en tout cas amener ma goutte d'eau pour participer à limiter l'impact du changement climatique. Donc je fais mon stage au syndicat d'énergie de l'Ardèche sur le bois énergie, puis à Pôle énergie, et ensuite je suis prise donc Pôle énergie, qui est maintenant la LEC 07. Et du coup, là, je suis prise à la Pôle énergie en tant que chargée de mission bois énergie et conseillère info énergie. Donc, conseillère info énergie, ça consiste à écouter les gens, donner l'ensemble des informations techniques et financières sur leurs projets de rénovation, d'énergie renouvelable, etc. Et chargée de mission bois énergie, ça va être d'accompagner les maîtres d'ouvrage publics et privés sur leur projet d'installation bois, donc aussi d'être à l'écoute des besoins et de vérifier l'opportunité ou pas de la mise en place de ce type d'installation. Je découvre du coup en parallèle le monde des collectivités que je ne connaissais pas vraiment, voire pas du tout. Les appels à projets, les demandes de financement. On est en 2007, tout va bien. Enfin, ça va à peu près. Notre structure a à peu près de la lisibilité sur son avenir. Ça roule à peu près. C'est pas trop compliqué de remplir des rapports, de justifier nos actions. Et en fait, après, tout s'enchaîne. Tout devient de plus en plus complexe. Tout devient... L'espace info-énergie devient le point rénovation info-service, puis l'espace conseil-faire. On a appris la semaine dernière que ça allait encore changer en 2022. Et en fait, on change les logos, on change le site internet, on change toutes nos fiches. On explique aux gens que c'est la même chose, mais que ça n'a pas le même nom, etc. Et en fait, on se dit, waouh, toute cette énergie, tout ce temps qu'on passe là-dessus, alors qu'on pourrait le passer à autre chose. Bon, ça, c'est un exemple, mais il y en a plein des exemples comme ça. 2015, élection régionale. Et là, on décide que l'ingénierie territoriale n'est pas importante. Enfin, le nouvel exécutif dit que l'ingénierie territoriale n'est pas, en tout cas, une de ses priorités. Et du coup, des subventions en moins pour des structures comme les nôtres. Des dizaines de projets balayés d'un revers de la main, parce qu'ils avaient décidé, mais des dizaines de projets de dynamique partenariale, des fois des gens qui avaient mis du temps à construire ces projets-là, et ouais, c'est balayé d'un revers de la main. Chez nous, on doit licencier. Donc j'avoue que même là, je revis le truc. En m'entraînant, ça allait, mais là, je le revis. Et du coup, on doit licencier une collègue à nous. En dehors du fait qu'on doit licencier une personne, et ce qui nous affecte beaucoup, c'est que c'est aussi une fuite de compétences sur le territoire, au service des territoires. Elle était chargée de mission solaire thermique. Et du coup, c'est de l'ingénierie en moins. Je parle de ma structure, mais comme toutes les autres structures ont dû, d'ailleurs, par ailleurs, licencier aussi de leur côté. C'est ça, en 2020, pareil, on met en place le SPE, Service public de la performance énergétique et de l'habitat, qui regroupe en Ardèche l'espace info-énergie, enfin non, pardon, l'espace conseil-faire, et les plateformes de rénovation énergétique. Et la région nous dit, puisque nous finançons les particuliers, nous n'allons plus financer l'accompagnement des collectivités. Allez comprendre. Du coup, à ce jour, on est en septembre, enfin bientôt octobre, et on a encore un financeur qui ne nous a pas donné de visibilité sur le montant qu'il nous octroyait, sachant qu'il y a plus d'un ETP en jeu et plusieurs missions. Et donc, on est obligé de répondre par la négative à toutes les collectivités qui nous sollicitent pour être accompagnées. Alors là, je me dis, oui, je suis en colère, agacée, parce que je me dis, on est en 2021, on parle de l'urgence climatique, on dit que c'est urgent, qu'il faut agir, qu'il faut œuvrer, être sur le terrain, faire émerger des projets, être dans l'action, quoi. Et là, on n'a plus de visibilité. C'est de plus en plus complexe de mener des projets, parce que rendre compte, maintenant, c'est au moindre centime d'euro. Il faut rendre... Tout à l'heure, il y avait un dessin avec... des montagnes de rapports, mais c'est pareil au niveau de ma collègue, au niveau administratif, elle se tire les cheveux parfois. Et alors qu'en 2007, on parlait un peu moins d'urgence, on avait la lisibilité, je me dis, là, c'est quoi la cohérence et enfin, c'est quoi la priorité? Et du coup, ouais, c'est vraiment la question aujourd'hui, je me dis, c'est quoi la priorité aujourd'hui? Voilà, merci.
Bon, assentiment à l'applaudimètre. Merci beaucoup Anne-Sophie pour ce témoignage. Et en clôture de ce deuxième témoignage vivant, je voudrais quand même rendre à César ce qui lui appartient. Gérard Daboudet, le maire du Menet, a évoqué une action de mobilisation citoyenne qui s'appelle le Grand Défi, qui a été menée dans le Menet. Et en fait, cette proposition de témoignage, cette nature de témoignage, du coup, a été faite l'année dernière par des citoyens. Et on s'est dit, tiens, on va l'adapter un peu autour du métier des chargés de mission énergie, parce qu'on en parle tout le temps, puis en fait, on en parle de manière un peu théorique. On en parle aux ministres, ok, théoriquement, elles entendent. Et puis, pratiquement, derrière, on a l'impression qu'il y a un truc qui ne passe pas. Voilà. Du coup, l'idée de ces témoignages-là, c'est de rentrer dans une vision concrète. Je pense que merci, vous y avez concouru à Netto aujourd'hui. Donc, le Menet a inauguré ça, mais s'il faut rendre à César encore devant, on pourrait remercier Los Angoel, je crois que Julien Père déjà est dans le coin, avec ce qu'ils avaient appelé les ch'tis TEDx, eux-mêmes inspirés d'un format que vous connaissez peut-être, qui sont les TEDx. Et je voudrais, du coup, au nom des personnes qui se sont engagées dans cette aventure humaine, de l'exploration de soi avec les autres. C'est quelque chose qu'on a vécu pendant quelques mois. Donc Anne, Jean-Christophe, Sophie, Cyril, Anne-Sophie, Jeanne et moi, par intermittence. J'ai raté la dernière réunion. Au nom de toutes ces personnes, je voudrais adresser un grand remerciement à une personne qui nous a accompagnés, qui s'appelle Régine Marie, de l'association L'Ardeur, qui avait déjà accompagné les citoyens dans le Menet et qui a mis une énergie folle dans l'accompagnement de ce groupe. Moi, j'avais dit, ça va prendre pas longtemps, 3 réunions d'une heure et demie. Bon, c'était un peu plus long que ça. Régine, comme je sais que tu nous suis en direct sur Facebook, merci beaucoup de tout cœur à toi. Et donc, je vais inviter Anne-Sophie Aignon, responsable du pôle territoire énergie de l'ALEC de l'Ardèche, à revenir. Mais avec elle, Jean-Marie Houdard, vice-président des Crêtes pré-ardennaises, et Pierre Rambaud, vice-président de la communauté de communes du Toircey. Il est là, salut Pierre. Représentant de la commission territoire du CLER, donc Réseau pour la transition énergétique. Le réseau des territoires énergie positive rassemble donc depuis 10 ans des pionniers de la transition énergétique et écologique, vous, en somme. Et du coup, fort de ces engagements et des réalisations de ces territoires, le réseau TEPO souhaite porter une parole forte, cette parole elle est légitime, et faire valoir du coup des propositions en faveur de la transition énergétique. Je ne doute pas que ça va résonner avec des choses qui ont pu être dites. Et Jean-Marie, je te laisse la parole. Merci. Difficile de prendre la parole derrière le témoignage qu'on vient d'entendre. Ça résonne pour moi qui suis président d'une ALEC, ça résonne vraiment fort, et là j'ai pris un vrai coup. Et un jour, il faudra que les présidents d'ALEC y prennent la parole aussi, parce que je pense qu'on est tous... Enfin, c'est un copier-coller de ce que je vis chez moi, et qu'il faut séparer de personnes, de gens compétents. C'est des fuites de cerveau, c'est des choses extrêmement difficiles à vivre, et alors vous m'avez retrouvé dans le pain. Voilà. Tout ce qu'on a entendu depuis le début de l'après-midi, ça rejoint assez ce qu'on va vous dire sur une tribune. Donc c'est quelque chose qu'on a écrit au niveau de la commission territoire du CLER. C'est quelque chose qui a été coécrit par plusieurs personnes de la commission, voire l'ensemble, qui a été relu, qui a été amendé, qui a été travaillé. Et on était nommés tous les trois pour vous la lire. Mais je voudrais vous dire, avant d'en faire la lecture, combien elle résonne avec tout ce qui a été dit, que ce soit par les témoignages, évidemment, mais aussi par ce qui s'est dit sur la table ronde sur les questions économiques. On se rend compte que tout le monde est concerné et qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour avoir des programmes plus concrets, plus près des territoires, plus en phase avec les dynamiques territoriales. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'on va vous le donner. Donc cette tribune, elle va paraître, ou elle est parue aujourd'hui d'ailleurs, dans la Gazette des communes, et la vocation est finalement à être diffusée. L'urgence climatique n'est plus à démontrer. Ces manifestations physiques font tristement la une de tous les journaux. Les scientifiques ne savent plus comment nous inciter à agir.
nous rappeler que chaque occasion manquée nous coûte cher et met la marche un peu plus haut pour les années à venir. Candidats et candidates, il y a bientôt des élections, hein, je pense que vous en avez tous entendu parler, prétendants et prétendantes aux plus hautes responsabilités de l'État, l'heure n'est plus aux hésitations. Pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour la France et respecter les engagements pris au niveau international, les discours et les injonctions ne suffiront pas. Au sein du réseau des territoires à énergie positive, TEPOS, les acteurs de terrain agissent depuis plusieurs années avec détermination pour transformer l'impératif de la transition énergétique et écologique en une opportunité de développement local, de création de valeur et de cohésion sociale sur leur territoire. Nous comptons sur vous pour entretenir et amplifier l'énergie positive qui anime nos territoires et élargir la mobilisation pour engager l'ensemble des territoires français. Je passe la parole. En finir avec l'empilement des dispositifs, le réseau des territoires à énergie positive souhaite que l'arrivée d'un nouveau gouvernement ne soit pas synonyme de création d'un nouvel empilement de dispositifs. Depuis 15 ans, les programmes se succèdent et se superposent. Les chargés de mission de nos territoires dissipent une énergie conséquente et s'épuisent à répondre, souvent dans l'urgence, aux différents appels à projets régionaux, nationaux et européens pour tenter de capter des fonds. Pour les élus locaux, entre les obligations réglementaires en perpétuelle évolution parfois contradictoire, l'absence de visibilité budgétaire, à commencer par le financement des animateurs et facilitateurs territoriaux, pas facile de construire une politique de long terme. Or, le premier enseignement de notre expérience est que la transition s'inscrit dans le long terme. Au-delà des premières réalisations, c'est en effet tout le territoire et tous ses acteurs qu'il faut mobiliser pour faire évoluer les modes de vie, l'activité locale, la gouvernance territoriale, en conciliant enjeux environnementaux, économiques et sociaux. Des chantiers immenses sont à mener, dans la durée et en concertation avec un jeu d'acteurs complexe, pour éviter la montée d'oppositions souvent stériles. Bonjour à toutes et à tous, je n'avais pas eu l'occasion. Conjuguer capacité d'investissement, moyens humains et visibilité budgétaire. Plutôt que tout réinventer en 2022, renforçons l'ambition et les moyens alloués pour que chaque territoire puisse bénéficier d'un contrat de transition écologique établi dans le cadre d'une relation partenariale équilibrée et pérenne. Faisons du CRTE un véritable outil d'articulation des stratégies territoriales, régionales et nationales qui rassemble les moyens de toutes origines indispensables à la conduite des transitions, financement de l'ingénierie territoriale et capacité d'investissement. Donnons aux acteurs territoriaux une visibilité suffisante pour engager des politiques publiques de temps long à la hauteur des défis à relever. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on arrive à la fin de cette table ronde. Un petit clin d'œil juste avant de donner quelques informations logistiques importantes, sous la forme d'un bonjour à des délégations d'étudiants qui viennent de l'IT de Tarbes, la licence STER, Système thermique efficacité énergétique énergie renouvelable, et du master ADEV de l'université Paul-Valéry de Montpellier. Vous avez du boulot. Merci pour la relève. Donc, je vais juste vous passer quelques informations logistiques pour la suite de l'aventure de la journée, à commencer par les visites. À la fin donc, de la table ronde, dans quelques minutes, je vous inviterai à vous diriger assez rapidement à la sortie du théâtre, où vous attendront les agents du parc, avec des panneaux numérotés comme la visite à laquelle vous vous êtes inscrite pour la plupart d'entre vous. Si vous avez un doute, à l'arrière de votre badge, vous voyez « Visite », il y a le numéro indiqué dessus. Pour les personnes qui ont laissé des bagages à la bagagerie, ces bagages vont être pris en charge, pareil, par l'organisation et les personnes du parc, et seront amenés, après les visites, à la salle des fêtes de Millau, où toutes les visites vont se terminer et donc où vous allez être déposés.
Si vous avez besoin, c'est possible de passer à l'hôtel avant la soirée, ne serait-ce que parce que la réception ferme à partir d'une certaine heure. C'est à l'issue des visites que vous pourrez faire ça, et donc avant le dîner. Merci beaucoup pour votre attention pour cette première après-midi, et puis bonne suite de rencontres. Ce qui